I can make love Un grand jour. Comment ça? Parce qu'il faut payer les bills. As usual. Qui paye les bills? Destiny's Child. <laughs> <laughs> c'est nous qui payons les bills. Peux tu veux que refais la chanson là moi? Non! Pourquoi? Je veux plus! Pourquoi? Je suis gênée! Tu vu ça quand je te raide de fausses <laughs> <laughs> <T> noires? Je pense que c'est quand même une bonne vibe. T'es une c'est ça qui t'es. C'est quoi ça? C'est. Euh, ah, des... C'est comme la fille qui se faisait passer pour une femme noire, là, tu te souviens? Elle, 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 elle avait son teint très très foncé, elle, elle non, coiffait ses cheveux, pas tout ça. ça. Tu te souviens, Rachel, quelque chose C'est fou, il y a un documentaire sur Netflix oui, là-dessus. Je me souviens d'elle. Ok, mais je ne suis pas ça, là. Je sais que tu pas ça. J'aime juste chanter un peu Bills, Bills, Bills une fois de temps en temps dans mon char, puis je, je veux plus gosser personne avec ça, là. <laughs> J'aime le chant, mais je veux pas gosser personne avec personne ça. Personne est est ça. Personne n'est gossé. Personne n'est gossé. Personne n'est gossé. Tu gossais gossé, ça Pas du tout. Il est pas T'sais... gossé. C'est quoi ta a... tune de Destiny's Child préférée Poison Euh j'en je, ai pas de tune préférée de Destiny's Child. Moi je pense que Jumpin' jump In, ça te fait bien. Non, lui c'est euh, Independent Woman. Independent, independent Woman, woman ça Part 1. Ouais. <laughs> part 2. La deuxième. OK. <laughs> bon, ben ça c'est réglé. C'est réglé. <laughs> Cet épisode est une présentation de Polysleep. Sleep. Poly yes. Sleep ils vendent des matelas, ce qui sous-entend que tous nos auditeurs n'ont pas de matelas. Ce qui est sans doute vrai. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Ou des fois, le changer. Oui. Euh, si vous nous écoutez, votre matelas est sans doute souillé parce qu'on voit vos commentaires. Et s'il vous plaît, changez de matelas. Ça va faire plaisir à tout le monde. Ou euh, changer de texture de matelas. Oui. C'est quoi le code promo, ma chérie? C'est 25 couples. Sans 25 magique. couples. Ça donne un rabais sur 20, de 25 sur tout le site. Tout le site de Polysleep. Tout le site. Mais pas le nom de domaine. Là. Pas le Polysleep. Tu le nom de domaine. <laughs> avoir le nom de mêles. Mais la, la marchandise qu'ils vendent sur le site, 25% de rabais, avec 25 couples. C'est-tu en majuscule? Ben, c'est en majuscule, mais je pense que c'est pas case sensitive, comme on dit. Je pense, si tu l'écris en minuscule, tu cries. tu devrais t'en sortir. C'est 25... Ah! Mais 25, c'est en lettres. <laughs> OK, en lettres, c'est vrai? <laughs> c'est une blague. Non, mais ils ne comprendront pas. Ben non, OK, c'est 25 en chiffres, puis collé sur couple. J'ai eu mal à la tête à une 25, c'est pour un haïd. tiret? Je sais pas. Pas de tirer. À chaque fois, je Google. Comment écrire en lettres? Puis là, puis là Google me le dit. 1900, nanana, nan, puis les tirer sont où? Faut euh, le, 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 faut, tu as les tirer partout? Non, pas tout le temps. accepté. Ah, c'est la nouvelle orthographe? Oui. Oh mon Dieu. Est-ce que tu es pas au compte de la nouvelle orthographe? J'ai pas d'opinion là-dessus. Je, je pense je que c'est pour les paresseux. que <laughs> 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 je vous présente Stéphanie Vandelac, femme blanche qui se prend brune noire et qui est une. Je oui. rentre à l'Académie française l'année prochaine. J'ai envoyé ma candidature. L'Alève tu fait deux fois. Oui. Ouais. Si on gagne l'Olivier, je vais l'amener. Il dire, dire Gagnez ça, ça vaut quelque chose. Je vais ouais, traverser l'océan avec ça. Puis ils vont dire Non, c'est ça. À la nage. Oui, avec, avec le trophée comme ça. D'un bras. <laughs> non, je sais pas, mon amour. <laughs> mon amour, on voulait parler d'un truc génial. Parce que tu m'aurais oui. rémémemoré un truc. Oui. Parce qu'on est allé une fois dans le Sud, puis oui. on n'en revient pas. On n'en reviendra jamais. Et à chaque Trois mois, tu me rappelles quelque chose qui s'est passé là parce que moi, j'étais en état d'ébriété toute la semaine. Oui. Et qu'est-ce que j'ai fait de, de, de la première minute, parce qu'ils nous avaient laissé une petite bouteille de rhum dans la chambre. Ouais. Pas tout fait longtemps. Limite, ton anus c'était le fun. Non. Pas oh, la bouteille, <laughs> le, le, le liquide. Je suis allé chercher avec ma langue. Ah oui, mais tu savais pas. Fait... Oui, oui c'est vrai qu'on avait. C'est oui. bon. Oui. Tant mieux. Moi, ai aimé. Toi, toi, non, mais moi, j'aimais ai ça. Ben, c'était... Je me souviens... ben. Sais-tu que les lèvres et l'anus, c'est la même texture? C'est même, la même affaire? C'est le même... Euh, puis euh, les lèvres en haut aussi, Poseidon, ça y a un commentaire. <laughs> c'est vrai, c'est très vrai. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que t'es un médecin, Poseidon. Docteur Poseidon! C'est pas juste non. un gars qui aime la Tu t'es un médecin. <laughs> c'est juste, ça, ça explique aussi pourquoi euh, j'aime ça manger les fesses. C'est ça. C'est comme donner des petits bisous. C'est ça exactement, c'est réellement maladeur, tu sais. Bon. L'épisode est comment tu m'a pull Sleep Mais Mais oui, alors dans le sud, un, oui. un, un, il y avait des, il y avait le buffet là, de toute évidence, il y avait un buffet. Parce qu'on sur... ne fait pas tant d'argent ça. <laughs> Mais sur le resort, il y avait aussi comme des restaurants. Et là, pour les gens qui nous écoutent seulement audio, je mets des grosses guillemets. Ouais. <laughs> c'était des pièces annexées au buffet. Puis il y avait un restaurant mexicain, un restaurant de fondue, vous m'avez bien compris. Et, et fondu, un restaurant. la dans le sud, c'était bon. Italien. Puis on a décidé qu'on allait faire toutes les activités de restauration possibles pendant la semaine. Donc, on butine de restaurant en restaurant jusqu'au restaurant italien qui était le dernier restaurant qu'on a visité. Et mais pour moi, c'est le highlight parce que on soupait tout doucement dans ce restaurant romantique à souhait. On mange un bon bol de pâtes, c'est-à-dire des pâtes trop cuites avec une tranche de graufus. Les mecs font ça là-bas. Mais c'est correct, là, c'est pas grave. Là. On était sous mais ben on bon, s'en rendait pas ça. compte. Ça. Et là, à un moment donné, absolument grandiose, un chanteur rentre dans le restaurant pour chanter la sérénade aux tables. Et le moins, je suis absolument charmée, bien ah, entendu. Mais j'aime, j'aime la... Mais c'est parce que moi, j'ai une branche de ma famille qui est italienne. C'est une tante avec, tu sais, des, des parties italiens. et tout ça. Puis à chaque fois que je suis en contact avec ça, je, je trippe à mort, là. Est, il vient de, si là, de après... côté fasciste. Oui. La, la branche italienne. De, oui, ah, oui. Oui. Puis aussi, ma volonté de aussi, chanter. Que c'est un bon. Parce ben, que c'est une bonne idéologie politique. Mais ben oui, non, mais <laughs> gars, quand tu regardes comme il faut, ils ont des bonnes idées. Des mais très rivaleurs. <laughs> <laughs> mais euh, non, c'est que les Italiens, ils ont le sens de la fête. Oui. Et après deux, trois verres de vin, il y a tout le temps quelqu'un qui se met à chanter morée ». Puis là, tout le monde chante ensemble parce que tout le monde connaît les paroles. Puis c'est extraordinaire. Puis là, moi, je me dis, oh mon Dieu, mais cet homme va pouvoir faire ça puis on va pouvoir chanter tous ensemble, ça va être extraordinaire. Et là toi, comme quand tu as refusé qu'on te chante bonne fête au restaurant de déjeuner avec ton père. Mm -hmm. Là le monsieur il part, puis le restaurant est fait en U, puis là on est la dernière table. Puis là dès qu'il rentre, puis à chaque fois qu'il passe à une table, tu me dis quand ça va être un tour, ça ne va pas se passer. Mais voyons, on va pouvoir chanter avec tout ça. Et là il chante, il chante, puis il prend les demandes spéciales en plus, c'était cœur, hein? tout le monde chante ensemble, c'est magnifique, on veut un grand moment. Tout le monde est uni par l'art de la musique. <laughs> Et là, l'homme arrive à notre table. Puis t'as juste fait NON! Puis <laughs> là, ils ont fait C'est une joke parce que c'est avec la face que t'as. On peut comprendre qu'on pense que c'est une joke. <laughs> Puis là, t'as redit NON. Puis j'ai pas eu le droit à ma touche. Je <laughs> le ferais pareil. Je le ferais pareil. <laughs> tu m'amènes une machine à bourrer dans le temps. Non, mais plus fort. Pourquoi tu veux pas laisser. C'est un artiste. T'as refusé qu'un artiste exécute son nom. Un, c'était pas un artiste. C'est un grand artiste. Non. C'est un homme qui a, des, qui a un vice, on ne sait pas lequel. C'est soit le jeu, l'alcool ou la drogue. Il a besoin de liquide pour <laughs> que son vice. <laughs> C'était ça qu'il y avait, là. Il a besoin d'être typé en oui. argent américain. Il a besoin d'aller jouer aux machines <laughs> ou d'aller faire un peu de cocaïne. Il a besoin de liquide rapidement. Puis il s'est dit, OK, moi, je joue à la guitare. C'est pas, pas, pas mauvaise. Puis quoi C'est quoi le problème a... Le problème, il, il peut faire ça. Il peut il... dépenser son argent comme il veut. Comme il veut. Mais il va pas me chanter une chanson. Je trouve ça malaisant. Et voilà. En tout cas, tu m'en dois à une, je pense. Parce que moi, j'ai un manque depuis. Je souhaite qu'un homme vienne chanter à notre table. Mais c'est gênant pour. G... Gang, dites-nous si c'est gênant ou non. Déposez ta fourchette, puis regardez. Parce que s'il était bon, il ne ferait pas ça. Si c'est un bon musicien, on manque de bons musiciens. Si un... c'est un bon musicien, il y a plein d'endroits où tu peux performer. Rarement, dans des restaurants italiens cheap. Mais peut-être que lui, ce qu'il aime, c'est quand les 25 personnes présentes. Non. Ce qu'il aime, c'est quand il y a quatre tingling, Ce qu'il aime, c'est quand il y a quatre frises à la machine, puis ça lui donne un peu l'argent. C'est ça qu'il aime, c'est pour ça qu'il fait de la musique. Cabella. When I look in your eyes. Bon, j'avais dit que je voulais pas chanter, puis tu vois, c'est jamais très loin. fort que toi. C'est un, un grand moment de oh. chant Ben tu vois on arrive. Je vais chanter un au karaoké. Ben Chris tu vas voir non 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 je veux pas non t'aimes pas cet art dis-le que t'aimes pas la musique. <laughs> Rien de moi il n'aime pas <laughs> la musique. Est-ce qu'on a quelqu'un notre invité On n'a pas le choix il est grandiose Un artiste qu'on adore j'espère que tu vas pas le brimer dans son art lui non plus. <laughs> non, tu fort. Très bien le de la marmite. Quand je mange il me laisse tranquille. <laughs> il est pas en train... si, si vous étiez en train de souper là il me brimerait. <rire> <rire> Mathieu! Mathieu Dufour! Allô la gang! Allô! Comment tu vas? <laughs> ça va bien, mais je un petit peu échaudé de mon expérience d'introduction de podcast parce que je ne sais pas encore comment agir sur des podcasts, J'en fais pas souvent. Ouais. Là, vous m'avez demandé avant, est-ce que on, tu peux parler pendant l'intro ou tu ne peux pas parler attendre qu'on te présente? Mais vous avez parlé de tellement d'affaires fucking intéressantes que j'avais envie de parler, mais comme, je ne je sais pas, ça vient me challenger de me dire que les gens ne m'ont pas encore ...entendu me faire présenter. Ouais. Fait que là, il entend juste une petite voix qui pop, une, une quatrième voix weird... Ah, oh, mais per... c'est écrit! Il y a ton nom avec ça, c'est toi. Ah, mais là, Chris, j'aurais dû parler, de bord! <laughs> j'aurais dû parler, j'avais plein d'affaires à dire, là. C'est pas autosti, c'est le resto de pas. Premièrement, oui. c'est Chris Mamanaisan. Moi, je peux pas déposer ma fourchette puis que quelqu'un chante en me fixant dans les yeux. Mais ben voyons! Mais ben non, ben c'est bien trop. Je, je, je sais pas où me tirer, je vais me crier ça la face dans mes euh, tagliatelles. <laughs> c'est impossible. <laughs> c'est impossible. Mais j'avoue, c'est vrai, où tu regardes? Tu regardes tout le temps le monsieur. Tu peux regarder sa guitare, être vraiment passionné par son doigté. Puis y a quoi de, de weird quelqu'un chante? Puis... Non, mais c'est ça, tu fais quoi? Tu souris. <laughs> sais, tu souris, t'es comme merci. C'est jamais bon. faut que ça dure maximum 15 secondes si, 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 uh, si on veut que ça se passe. Genre, un genre de 15 secondes, genre un jingle, le genre ouais. bienvenue au resto, néné, néné, né, bonne soirée. Puis mm. là, comme, hey, merci, c'était nice. Mais si, genre, c'est une grande crise de version longue de chanson, puis fixe, moi je, moi, je serais pas bien. Moi, j'aurais peut-être pas crié non. Ça prend quand même de l'audace pour y faire ma gueule de même. <laughs> Surtout que, genre, ils viennent de se clencher toutes les autres tables. <laughs> mais euh, c'est ça. Je sais pas. Mais non, mais moi aussi, ça m'aurait challengé. Fait que ça, j'avais ça à dire. Sinon, vous avez parlé aussi de... Aller dans le Sud. Es-tu déjà allé dans le Sud? Oui, j'ai allé dans le Sud. T as -tu apprécié l'expérience? Oui, j'ai apprécié l'expérience. Je suis un grand fan. Oui, ben, j'ai fait, fait les deux okay. Pas tant, je m'invente une vie, j'ai plus cette resort. Okay. <rire> <rire> Je me voyais déjà me sentir mal en sortant du site en faisant semblant que j'étais un grand backpacker. T'es jamais au Costa Rica? Jamais au Costa Rica, jamais, jamais. j'ai euh... jamais vécu la même route que chez les Mara. <laughs> ah, ah. Que je m'habille donc ben j'ai dit ouais j'ai oh. fait, ben, fait les deux et euh, Chris <laughs> m'a empoché genre vraiment pas j'ai pas fait de Compostelle. Là. Mais moi euh, ouais, j'étais quand même un grand fan de resorts. Tu sais là après ça c'est challengeant de, parce que tu sais comme tu les pays en pauvreté nanana tu sais le tourisme, c'est comme un peu des un fois contexte, weird là. Oui mais l'expérience que j'ai vécu si on fait juste se dire resort j'ai vraiment aimé ça ouais. j'ai vraiment vraiment aimé que tu ça tu parles en espagnol au staff je parle pas en espagnol moi j'ai jamais eu de cours d'espagnol comme ça, au, mais... au secondaire fait j'ai dire une phrase puis c'est pas le cas non c'est moi c'est la vacationniste <laughs> ça veut dire pourquoi pas après tout nous sommes en vacances waouh wow! bon. et genre j'en abuse le moins un peu gorlot là sur le bord de la plage ils sont comme voulez-vous ça voulez-vous ça tu veux tu faire ça veux tu faire ça ouais. je suis comme pourquoi pas après tout, nous sommes en vacances? Waouh! Fait que toi, le pool ouais. party dans Mousse à 3 heures, t'es là. Et tabarnak. <laughs> J'étais là avec ma sœur au Mexique il y a deux ans, avant que la pandémie pogne. Puis, euh... non, non, mais genre, on est arrivé, mettons, le lundi. Puis, on a vu sur l'horaire des activités du resort que le samedi, c'était le foam party. Ouais. Oh là là. C'est triste, Toute ça, la foam semaine, party. C'est triste. <laughs> Moi, j'ai. <laughs> J'ai mis les attentes tellement hautes toute la semaine, j'ai vu la pauvre Géo sortir avec le vieux gun à mousse, genre oui. qui marche à gaz. Le parquet sur le bord de la piscine, il y avait genre trois gouttes de gaz, dans, de, trois gouttes de, de mousse dans la piscine, puis genre, elle était même. Un peu <laughs> j'aurais fait ça chez nous, mettons, en mettant le mauvais savon dans mon lave-vaisselle, genre, on aurait eu un meilleur résultat, mettons. Oui. Mais le hype était là, fait que j'ai quand même aimé ça. Parfait! <laughs> il y a d'autres activités que tu as faites dans le sud? J'étais allé à pour un tournage, trois jours en République Dominicaine, genre aller-retour, trois jours, in and out, vraiment rapide. Puis c'était pour justement faire la promotion de comme. Parce que Air Canada était commanditaire de l'émission. Puis j'étais allé et c'était en mode activité, 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 genre zipline, jouer avec les singes. Genre. Ils sont jamais heureux, ces animaux-là. Ils sont jamais contents. Ils sont jamais contents. Il a rien de plus malheureux que le gars, c'est un gars. Qui a un iguane Mais c'était pas ça, okay. c'est pas ça. Okay. C'était pas genre le la tête touriste sur le resort qui arrive avec un iguane qui te le dépose et comme de moins « Donne-moi 100 pièces. Ouais. ouais l'iguane il dit je suis sur toutes les drogues. Là, en fait l'iguane est comme je suis un homme déguisé en iguane. <laughs> C'est Jamais une iguane, tu comprends? C'est jamais une iguane. Je, je m'appelle Marcel, sortez-moi d'ici. Mais moi! Famille, -moi! Oh non, ton doigt! Excusez, je viens d'applaudir vraiment fort dans mes mains puis je me suis ouvert le doigt avec un couteau avant hier, puis j'ai des points de suture puis tout. Puis là, j'ai tapé comme une vieille douille en oubliant que j'avais une blessure. Ben, avoir... ben parle-nous de la blessure? Ben, j'ai essayé d'attraper un couteau au vol en l'échappant, puis genre, le, mon doigt a violemment plus, rentré est, dans l'âme. Tu pas des couteaux chez vous? Là. Oui, je lançais du couteau. Un ami magicien <laughs> qui t'envoie En fait, je travaille dans un... <laughs> <laughs> hey, c'est ça, ça. <laughs> mais je travaille dans un centre de lancer de la hache. C'est pas vrai, je fais pas ça. Mais oui, j'ai une petite blessure. Mais oui, c'est ça. fait que C'était comme dans un gros enclos avec plein de singes semis en liberté. C'était pas si triste. OK. Puis c'était quand même le fun, ça. Un peu mélancolique. Ouais. Comme les, les singes, tu t'ouvres la porte, ils s'en vont. Là. Mais si oh, c'est ouais. une réserve pour leur, euh, pour leur santé. Une réserve, c'est euh... mal à dire prison. Okay. Ouais. Non, non, <laughs> j'ai le feeling. Puis après ça, peut-être qu'il y a des gens qui vont m'écouter qui pourraient me démolir en un argument simple, là, mais j'avais l'impression que c'était correct. Mm -hmm. OK. Genre, j'ai le feeling. J'ai déjà vu genre des, des gens de tigres drogués, genre dans la ouais, rue ouais. au Mexique. T'es comme. oh, très, très Lui, s'appelle Marcel. Tu comprends, genre, c'est un homme. Ouais. <laughs> mais ça, c'était comme dans une réserve naturelle. C'est genre. Ça. Oui, pour, le, pour leur santé et leur préservation. Ouais. Préservation, okay. je ne sais pas si c'est le bon mot. mais en tout cas. Préservatif. Merci. Okay. Je ah, c'est ça. tu c'est ça. Même pas trop. Euh, euh, ton doigt? Est oui, que, parce que euh, tu es là, l'hôpital. Oui, parce que là, ce n'est pas une simple blessure. Là, là tu as, as trois points de suture, mais tu nous as aussi montré que tu avais documenté ouais. cette, cette cicatrice. Il y a quelque chose que je trouve fascinant avec le, avec le, le corps. Tu sais, J'ai des amis, maintenant, qui sont comme médecins ou qui sont infirmières, puis j'adore ça qu'ils me parlent. Parce que, tu sais, maintenant, quand tu n'es pas dans ce domaine-là, on est loin du domaine de la santé, je ne ouais. vous apprends est, rien. Tu <laughs> est... qui disent ah, on fait autant de bien que. La ah, en même temps, santé. ça j'y crois, ouais. j'y crois. La ah oui, oui, mental. oui, on fait vraiment du bien à que... la santé mentale. Ouais. Mais, oui. mais on n'est pas là à cœur ouvert, là. Ouais. Oui. On n'opère pas cœur ouvert. Mais, mais... Ton, tu m'as pas appelé en disant. Non, as -tu des non, 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 non absolument pas. Suis... Mais pour la santé mentale, on fait 100% du bien. Mais mm. pour le, pour le. Toi, oui, moi, moins. Toi, tu fais plus. Peut-être. Peut-être qu'on est dans deux, on évolue dans deux sphères différentes. Mais je euh... suis sûr moi mais... <laughs> Si vous tapez une dépression de tête oui, pas moi, tout mais... consommer ce que Thomas fait <laughs> Mais si vous allez trop bien vous venir redescendre Ah là je suis là, là On appelle ça comme un régulateur de, là. de happiness là oui. <laughs> mais il y a tout ça que je trouve fascinant avec le fait que tu sais moi une plaie ouverte du sang des affaires comme ça moi je connais pas ça je suis pas en contact avec ça souvent puis mes amis infirmières qui me comptent des histoires de ah oh oui la fille à couché le médecin il met ses mains puis il ouvre le ventre puis nan puis eux c'est comme leur quotidien ouais. c'est ta job de faire ça fait que t'es comme en, ça devient comme complètement dédramatisé puis t'es comme comme gens monté devant une grosse foule là tu sais il y a du monde ouais. ça les terrorise mais nous on est comme juste habitués de faire ça fait que j'aimais ça, avoir accès à voir le médecin travailler. Mm -hmm. Puis mon doigt était gelé, fait que je chantais absolument rien. Encore une fois, ça, ça me fascinait. J'avais envie de me crisser des coups de marteau sur le doigt. Puis je l'ai oui, dit au médecin. Vrai? Il était comme je comprends ton feeling, mais ça va dégeler à Éventuellement, tu vas <laughs> <Oui>. le sentir. <laughs> fait que j'étais comme Ah, ah c'était plus tard. Mais moi, ah. j'avais pas pensé à ça. Moi, j'avais le goût de genre de me coller en dessous de la, la chaise. Je l'ai déjà fait, moi. À ah, donné, ouais? On m'a opéré J'avais un kiss dans la bouche en dessous d'une dent. On a une dent, enlevé la boule de chair. Ouais. J'étais gelé. Tu sentais plus ta face. Fait que je me donnais des coups de poing. Ah, bonne idée. Ah, ça, c'est C'est bon. ça. Ça fait mal. Ça aussi, c'est bon pour la santé mentale. <laughs> ça <fait mal. rire> Je me donnais des coups dans ma mâchoire puis je me disais, je sens rien. Mais Et ça voilà. dégèle puis genre, t'es comme, tu le sens vraiment. Fait que bref, c'est ça. J'avais tout... mal à la tête parce que c'était une commotion. Bon, ah, oh mon bien. dieu, ça avait okay. netté cette opération-là, ben, tout le monde! Thomas Kérezet, c'est super! -ce que... super. Si, jamais vous avez des... <laughs> si jamais vous avez une opération qui s'en vient, DM Thomas pour avoir des conseils, ça a l'air que vous allez vous en tirer mieux après. <laughs> Mais oui, bref, j'ai tout, tout filmé sur mon ciel, genre le moment où le médecin faisait les points de suture, puis je regarde cette vidéo-là, puis ça me fascine. Wow. Mais tu tripes-tu ces affaires sur YouTube, de genre les boutons qui explosent, puis ces affaires-là? Euh. Non, ça, ça OK. Ça, ça m'écœure. Ok. T'es plus dans le. Je la pense que j'ai plus un. D'une mini-chirurgie. Ouais, exactement. Puis je pense que c'est plus dans le le voir en vrai. Mm. Tu sais, mettons comme vidéo, ou mm. genre les vidéos comme un peu gore, dégueulasse sur Instagram, puis euh, Internet, ça m'écœure ça un peu, mais c'est ça. Je trouvais comme le fun. J'aimerais ça aller faire un stage d'un jour ouais, ouais, à Guest ouais. dans un hôpital à Manée. Je sais pas si ça se fait. Je suis convaincu. Ouais, hein? Mais je suis, suis qu'il n'y a pas tant d'humoristes qui ont leur carte de premier soin, tu sais. Tu pourrais être. Mais moi, en fait. je lis ça par contre. Ah ben tu vois, ouais. on va être rassuré. N'importe quand on est sur un plateau avec toi, on sait que. Mais tu sais, c'est comme genre toutes les études que j'ai faites dans ma vie. là, tu sais, J'ai retenu l'information jusqu'au test. après ça, je veux dire, je me rappelle plus de rien. <laughs> mais ah, je l'ai. Euh, tu dis ça. Je suis sûr que plein de gens à l'hôpital, c'est la même chose. Oui. Convaincu. Ouais. J'ai vu ouais. dans, dans le médecin, dans la salle, il y avait plein de petites feuilles de protocole. Oui. Ils relisaient <laughs> ouais, le même mémoire. Les hein. les... Ouais, autant, t'sais, <laughs> t'sais, il y a des humoristes qui se fait. Comment ils font pour être dans le milieu puis ils restent là? Il y a des médecins, ils disent la même chose à d'autres médecins. Fait comme lui, <laughs> faut qu'il arrête de payer, c'est un problème. problème. Pour vrai, <laughs> mais sur, inter sur Internet, il y a le site rate my Doctor. Ah. Uh, oui. oui. Puis ça, tu sais, quand tu as affaire à un docteur, tu peux aller voir le, le rating que ton docteur a, puis genre, c'est vraiment quand même. Intéressant parce que, comme autant des fois qu'il y a des docteurs qui ont comme cinq étoiles, puis es comme, oh mon sais c'est une perle, ouais. puis le milieu de la santé avait besoin de cette personne-là, ouais. mais autant qu'il y en a que, genre, ils ont moins 7 étoiles, là, puis le monde est comme, mm -hmm. si tu as la chance de courir avant de le rencontrer, fais-le. <laughs> il <Oui>, ben <là. rire> faut le mentionner, autant il y a des spectacles où, où tu te dis, je l'emmène mets de veille, juste, oui. je fais mon oui, heure, oui, oui, ça oui, va oui, bien oui, aller. Oui. Il y a des opérations qui se font en le médecin. Mm -hmm. Une opération qui font Oh, hier, c'était terrifiant! Ah, » c'est next level parce que tout ce qui s'applique à tous les jobs dans le domaine de la santé, on dirait qu'il y a des répercussions qui sont tellement plus intenses. j'en parlais avec une de mes amies justement qui travaille dans... Elle est infirmière, puis Faire... tout le monde fait des erreurs dans la vie. Tout le monde, tout le monde fait des erreurs dans la vie. Surtout à ta job, là, tu... as des mauvaises journées à en job. en plus que j'en ouais. rajoute par dessus ça, genre les heures supplémentaires obligatoires, le temps nanana, les... genre la pression. Mais là, si tu fais une erreur, genre t'étiquettes pas genre, un article mauvais ou style là, ouais. tu... <laughs> tu peux tuer quelqu'un, genre c'est ouais. stressant. Mais je ne pourrais pas faire ça. <laughs> Félicitations chouette. à tout le personnel de la santé qui nous écoute. Oui. Pour vrai, j'ai passé mon bien. temps à l'hôpital avant hier à chaque fois que je rencontrais quelqu'un être comme Genre, bravo, merci. Ah, Genre, c'était oui. comme ça mon, mon seul message que je tirais à tout le monde. Ah, merci, gang. Merci. Contrairement oui. à moi, vous avez une utilité positive. T'as une utilité as une positive. positive. Ben oui. Oui, il y a des gens qui se pendent. Ben, Alors, ça fait moins de trafic. Été... <laughs> Deux points. <laughs> Le trafic, se fait mal. Et là, c'est bon pour le, l'effet de serre. Un, char, fait un, un fait... char de moins sur les routes à mais la fois. Oui, un char oui, de moins. Yes, mais après ça, ça, quand quelqu'un meurt, il y a le corbillard. <laughs> a le... Ah, c'est <laughs> ça, ça! Ça, ça, ça s'annule. <laughs> pensez y là. <laughs> Pense-y comme bon, du monde puis à puis toutes tes plus, statistiques. C'est plus long, un corbillard. Comment vous voulez être enterrée? Moi, je veux. Oh, c'est super sur le sujet, mais moi, je veux donner mon corps à la science. Ah ouais? Ouais. Moi, si je fais. C'est tellement plus louable que moi, moi j'ai le goût de me faire empailler assis. Assis. Genre, je veux des funérailles un peu, genre, fucked up là. Tu sais, je veux être comme. <laughs> à, les J'en ai déjà, j'en parle des fois sur scène de ça, comme de mes funérailles de rêve, puis je veux vraiment comme être assis genre comme ça, c'est pour le, les bras ouverts, puis que genre, je sois l'élément central du photo booth. Oh Génial. mon Dieu. Génial. Tu comprends mais Bien sûr. Moi, non seulement je comprends, j'espère que tu vas mourir avant moi parce que je veux être là. <laughs> mais on veut être là. Mais je, je vais vendre vrai? les billets, puis ça va se vendre vite quand même. vous <laughs> 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 non mais puis quand j'ai quand je à je parlais de ça sur scène j'ai exagéré puis je disais que je voulais que ça soit dans un gros crise de chapiteau puis qu'il y a les Jumans de Cavalier qui me tournent alentour. Oui, puis une fois par demi-heure je voulais que le chanteur Pitbull soit là mais je voulais pas qu'il parle, je voulais juste qu'il soit dans une cage en verre. Okay. Puis une fois par demi-heure, il ouvre la porte et crie Mr. Worldwide. <laughs> il referme la porte. j'ai comme tout ça dans ma tête un peu puis je voulais avoir aussi un fût de bière intégré dans ma tête. OK. Fait que genre tu viens me voir, tu prends une photo, après ça tu te coules une petite pinte en me tirant le chignon. OK. Ciao. Waouh! J'aime... Ça, ça coule en arrière? Ouais, quoi, il y a comme qui... un petit fût là. Okay, un, petit un, petit, en un petit affaire. Il vient de Saguenay, Fait il y, a, il y a des vieux relands. Et... Oui, bah oui, 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 100%. Ben, oui. Puis sais, mettons, il y a un tuyau qui part de moi jusque dans le sous-sol du chapiteau pour que le, le monde ait changé. Équerre en bas, là, quand c'est vide. Ah, <laughs> oh, ça c'est bon. <laughs> Waouh! Mais est-ce que, est que tu serais souriant? Est-ce qu'il faudrait... Oui, mais c'est comme ça. Mais comme ça, triste, oui, mais ça parce marche pas. Ouais, c'est ça, il faut travailler le visage. Ouais, il faudrait voir, il faudrait trouver quelqu'un qui est bon pour faire des. tout ça. Oui, Pitbull, ils peuvent trouver quelqu'un qui meurt dans le avion. Un ancien voisin, c'est le thanatologue qui a fait René Angélil. Ah oui? Oui! Intéressant. C'est même talentueux, là, tu sais. Ben, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui qui aurait fait René, mais oui, 100 Mais faudrait que je check, puis après ça, j'ai... Ça, c'est une question sérieuse, parce que quand j'ai des idées qui me viennent dans ma tête, peu importe, genre, comment loufoques elles peuvent être, oui. moi, je le vois sérieusement, puis je l'analyse pour vrai sérieusement. Puis là, je me demandais, y a-tu comme des lois qui régissent ça? Mmh. C'est comme les salons funéraires, les types d'employage... Je pense pas que je peux faire ça au Alfred Dallaire. J'en doute. Que ce soit personnalisé. Parce comme ça. que c'est souvent, il y, y a souvent les, des funérailles côte à côte. C'est particulier si tout le monde <laughs> crie. Puis, oui, hey, Ah, le oui, oui. fun! C'est c'est. un chapiteau. On fait vrai, ça dans la cour. C'est illégal. ça, c'est une bonne mais question. Mais moi, je pense, oui. pense que oui. je pense Moi, je pense que c'est légal. Mais il y a de quoi de vraiment toucher avec ça. Parce que moi, comme la mort, mm -hmm. tu sais, mettons, dans les fois où j'étais dans des funérailles, des affaires comme ça, on, on, on avait pas du fun, mais un peu du fun quand oui, oui, même. Tu comprends? C'est des beaux moments en famille moi, que j'ai vécu. Oui, on a des grosses émotions tu sais, quand mes grands-parents sont décédés pis tout, mais ouais. au final, au salon funéraire, on riait, on se retrouvait ouais. la famille comme on ne s'était jamais retrouvé depuis vraiment longtemps. Puis, mm. il y avait de quoi de, de beau dans tout ça. Puis, il y a de quoi que j'ai trouvé, genre, vraiment en trash avec les salons funéraires. Il y a vraiment comme une grosse game de cash ouais. qui est épouvantable. Puis, moi, j'en ai un moment donné, je me suis fâché mm. Parce que... Il y avait des astuces de règlement vraiment niaiseux. Genre, on avait comme payé une urne pour le columbarium, mettons, pour ouais. mettre mes grands-parents dans le, une petite case ouais. là, pour aller leur dire salut. Puis on les avait mis là. Puis là, on voulait prendre cette urne-là, qui avait coûté genre 3000 pièces une ouais. boîte en bois, mettons, ouais. pour exposer les cendres pendant l'exposition. Puis là, la madame salon funéraire elle est comme euh, « Excuse-moi, c'est pas possible, c'est un règlement de la maison, il faut payer genre 5000 de plus pour louer, louer une urne pour transférer les affaires, nanana. Nan. » Là, moi, j'étais oh. comme... Excuse-moi. Mm. Je pense qu'ils sont habitués de faire face à des gens qui sont très affaiblis par les mm. émotions puis qui sont un peu comme, oui, qui qu oui, signent, genre, puis qui tirent vrai. des 10 000$. Tu, sais, tu comprends? Ah, Mais ouais. moi, j'étais comme, excuse-moi, ma belle si, genre, j'ai le goût de l'exposer dans un Top Aware, oh, c'est pas ça. toi qui vas me mettre dans vrai, mon chemin. Là. Les règlements de la maison, je veux dire. Les règlements es, de la es, mort, c'est quand même. je prends la hume et t'appelles la police, ils vont pas m'arrêter. Non. Vu que ton Alfred Dallaire inventes des règlements que pour. Toucher la mort, ça prend 5000$. Non, 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 mais c'est ça, genre, t'es qui toi, La faucheuse, sti, voilà. tu pour qui ça. <laughs> non, 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 non. non Je pense pas qu'au Alfred oh, Dallaire, les lois de la province et de la, du pays ne ça. Ça, ça s'appliquent plus. T'auras puis... pas un casier judiciaire si tu mets les dans un topper. Ouais, t'es là, ouais, pourquoi Ah, ouais, oh, ouais. moi, j'ai touché ma grand-mère. Il ben, <laughs> faut que je reste 6 semaines à Bordeaux. Fait que tu vois, il y a des choses là-dedans de, là de repenser -re ça puis de faire ça de manière différente. Ouais. Et aussi, c'est ça, j'ai vu plein d'affaires en ligne le passé, là, genre, des places où ils te mettent dans une genre de urne bio dégradable qui se transforme un arbre, genre. Ouais. À la limite, ça, je trouve ça cool, genre. Tu meurs à la terre, après ça, tu deviens genre un arbre. Je trouve oui. ça nice. Oui, puis c'est plus éco-responsable aussi, là, parce que je pense que, justement, toute l'industrie de, de, de la mort est en train de switcher vers ça, parce que, ouais. de toute évidence, un cercueil bien capitonné avec du satin, euh, c'est pas la chose qui se décompose le mieux. Euh, non, c'est ça, exactement. Moi, avec mon corps, je veux qu'on me nourrisse à, à des animaux biodomes. Fait que quand t'amènes ta famille... Puis, que, puis sur les heures de, ouais, visite, des de visite des enfants. Et là, puis là, on mange. C'est ça, la nature. Je, je veux être attaché sur une grue, en haut des alligators, et qu'on ah ouais. me descende à l'heure ouais. ouais. qui culmine, une une genre quand il y a le plus d'école. Mmh. Puis qu'on me descende tranquillement dans le casque des alligators. Ouais. <laughs> Oui. <laughs> ah, ben, c'est intéressant. Non seulement c'est intéressant, c'est éducatif, parce que moi, une de mes valeurs, c'est l'éducation des jeunes. Ben oui. Du redonner. Oui. Ben tu vois, on a, on a la même <laughs> mission. Parce que moi, je, euh, une de mes amies qui a étudié en médecine, elle m'a conté que des fois, il faut vraiment que tu te dédramatises justement aussi avec l'humour quand tu as des cours euh, de... de, 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 de de, ouais. de biologie sur un, un cadavre, ou en tout bon, j'ai pas euh, le bon ouais. terme, peu importe comment s'appelle le cours, mais euh, donc, il faut qu'il dédramatise, il faut qu'il s'amuse, il faut qu'il apprennent à considérer, pas, pas penser à c'était une personne avec des émotions, mettons. Ouais. Et puis, un exemple qu'elle m'avait donné, un mané, ils sont arrivés dans une classe, puis c'était tout des bras, c'est comme tout le monde avait un bras, puis aujourd'hui, on a regardé comme, les ligaments du bras, puis tout ça. Puis un mané, il s'amusait à comme, tirer les nerfs, puis les ligaments, puis faire, faire des fingers, puis faire des peace puis... Mais ben oui 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 100%. Que... Tu veux ça pour oui. au-delà, génial. Absolument, amusez-vous. C'est vrai, c'est comme... vrai. Mais au-delà de, de cette blagounette là qu'ils font ensemble, c'est tout aussi drôle que ça. Ou c'est de la profondeur. Ah, on est dans de rire quand <laughs> comme... hey Mais... il fait le signe du rock C'est quand même comique. Moi je pense que c'est drôle. Moi je pense que c'est. Moi je pense que ça. Ils ont pas le choix de faire ça parce on que c'est vrai que Ils le choix ils peuvent faire. pas le faire non mais ils ont, ont le choix mais tu sais comme dans n'importe quel... tu sais j'ai pas été beaucoup dans le milieu académique là j'ai pas étudié énormément longtemps dans des domaines sérieux là, mais comme on avait du fun tu sais on se faisait du fun avec ce qu'on pouvait là tu sais genre avec les bécher puis les Meyer au secondaire <laughs> oui. d'un cours de sciences moi j'en ai fait j'en ai fait genre cramer des gommes à effacer, genre sur ma plaque chauffante hein, dans ben le cours ouais. de sciences en secondaire 3 fait que c'est sûr que si j'avais un bras puis genre je trouvais le moyen d'y faire, faire un fuck you je le ferais mettons Peut-être <laughs> c'est un peu genre profanation de cadavre, comme tu dis, mais je le ferai. <laughs> ah oui, là, dans la vie, une loi, ça, ça empêche pas, ça sanctionne. Fait que si tout le monde c'était. <laughs> c'est ce ça, veut avec Steph. C'est ça, 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 exactement. Quand je serais morte, pas là, là. Tu sais qu'il y a un film de Louis Mélanger, <laughs> celui qui a fait Girls Ghost Bar Blues. Le film précédent, c'est l'histoire de. C'est une dame qui meurt. OK. Et c'est un cadavre. Oui. Et là, Gabriel Arcan, le frère de Denis Arcan baise le cadavre. Mais ben, je pense le personnage. Oui. <laughs> elle... Oh oui, il joue le frère. C'est ça. De... C'est un autre acteur <laughs> qui ouais. joue le frère de. Il baise le cadavre, elle revient à la vie et tout le film, c'est sur le malaise de oh, merci oui. de me ramener à la vie. Mais tu m'as baisé quand j'étais morte. Voilà. Oui. Ça, c'est pas, pas des. des... Avec Marie-Josée Croze aussi Non, c'est pas Marie-Josée Croze. Oh. Je pense avec Malstrom. c'est avec la dame qui joue Catherine. Ah, oh, Sylvie Moreau. C'est Sylvie oui. Moreau et euh, ça c'est pas sur crave <laughs> malheureusement non c'est ça tu peux pas le voir ça me fait rire. vous avez dit Sylvie Moreau, puis j'étais comme ah oh, mon dieu je dis tellement souvent Sylvie Moreau dans ma vie Comment ou ça? Sylvie Léonard parce qu'à chaque fois que quelqu'un tu maintenant tu veux faire dire s'il vous plaît à un enfant tu dis s'il mais moi je réponds tout le temps Sylvie Léonard <laughs> fait que voilà c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet là fait que ah, mais un truc vous avez dit la <laughs> vous avez dit Sylvie Moreau, puis j'étais comme hey, je dis vraiment souvent ce mot là fait que c'est ça <laughs> Génial. Ça, c'est extraordinaire. Parfait. Ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. <laughs> Ça, <on> peut... <laughs> en fait, c'est le seul message que j'avais à livrer en venant ici aujourd'hui. Sylvie Moreau. Je voulais juste dire Sylvie Moreau. Ça, puis euh, les, euh, les gens de la santé. Oui, bravo ouais. aux gens de la santé. C'est fait. <laughs> c'est fait. Est-ce qu'on peut parler de cet été quand vous étiez ensemble? Mathieu t'a aidé à être propre. Ah oh non, deux affaires. Oui. C'est pas important. Premièrement, on peut enfin se parler. Je t'explique pourquoi. La première fois qu'on s'est vus, on, on était... Euh, le mec que t'avais chez où, ma chérie? Terrebonne? À Terrebonne. On était à Terbonne. Puis je me souviens, on jasait, on jasait, on jasait. Puis tu m'as demandé... La fois a par... Non, mais la fois qu'on a parlé de, du chronomètre puis de la montre, c'était quand ça? C'est une autre fois. C'est euh, une fois. on s'était parlé. Puis on, je me rappelle ce moment extraordinaire. On, tu m'as parlé du show de Beyoncé à Coachella. Oui, sur Netflix. Ouais. et j'ai dit que je ne l'avais pas vu. Puis ouais. tu m'as dit, quand tu vas l'avoir vu, tu me reparleras, puis t'es parti. Puis on s'est pas reparlé depuis. <laughs> sur... Tu l'as- vu? <laughs> oui. Fait que là, c'est pour parler. <laughs> le, switch de, le switch des couleurs au début, tu sais, quand ils font le. Oui. sont tous dans l'estrade, puis là, ils passent de l'image de la première fin de semaine à la deuxième fin de semaine avec les kits roses, les kits jaunes. T'es comme ça, un, un switch d'éclairage? Non. Oh non. C'est du génie, genre non. de. De réalisation. De réalisation, c'est insane. Mais je suis content que tu l'aies vu. Ça fait longtemps de ça, là. Ça fait plusieurs années, là. Ouais. <laughs> On était où à Tarbonne? Au Mec à la soirée. Euh... Non. C'est minuscule. Il n'y a, a pas 50 personnes qui rentrent, là. C'est une soirée du bord minuscule, c'était euh, Mi Benson Sylvain qui animait. Ah oh, mais c'est là, c'est cette soirée-là qu'on a parlé du chronomètre. Non, c'est la soirée qu'on a parlé du chronomètre. C'est euh, près de l'université de, de Montréal. Dans un sous-sol. Une autre soirée C'est animé par Gilles Liberté. Moi, je suis convaincu qu'on a parlé à, à Soirée Min Benson de, 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 du chronomètre quoi, parce que chronomètre? On en a, je me rappelle exactement on était où. Il y avait comme le, le bar, la scène, puis il y avait comme une petite section à côté où on était tous, on attendait les mm -hmm. gens qui étaient sur le show. C'est là qu'on s'est parlé. Moi, je, je mettrais ma main au feu. Je mettrais mon doigt coupé au feu. À mon souvenir, wow. on ne le saura jamais. C'est deux soirées différentes. Beyoncé, c'était terrible. Le chronomètre, c'est à moyen. Mais c'est quoi le chronomètre? Ah! Il m'a dit, c'est super simple. <laughs> il m'a dit, moi, je vais jamais note sur scène. OK. Il faut que je te cite, là. Je vais pas une note dans la vie. <laughs> mais tu peux me citer, je suis y là, vais me défendre. Défend. <laughs> je veux être libre, puis l'important, c'est pas de dire ce qui est sur la note. L'important, c'est connecter avec les spectateurs. Ouais. Fait que moi, je mets une montre. Ouais. Si tu me dis, il faut que je fasse 15, elle sonne à 13. Ouais. Puis là, mais ça vibre. Il me reste ouais. deux minutes pour clore, je m'en vais. L'important, c'est le temps que tu fais sur scène. C'est pas. La petite feuille, mm -hmm. puis c'est une super note. Fait que t'es-tu jamais monté sur scène avec des notes? Je sais que tu piges des fois des sujets. Ouais, ça m'est arrivé de piger, mais genre jamais je suis monté sur scène avec comme... Un... un pad. Ouais, un pad ou une affaire que hey, je m'en viens essayer, mettons ça, 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 ça. Mm -hmm. Vu que c'est pas, pas des blagues que j'écris, mm -hmm. à la ligne près puis au mot près, c'est plus comme des idées ou des histoires que j'ai vécues. Ouais. Fait que c'est juste des mots-clés que j'ai dans ma tête avant de monter sur scène, je me dis, je vais parler de. J'ai envie de parler de ça, 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 ça. Ouais. Puis, rendu là, comment ça file avec le monde, ça ouais. se peut que j'aille complètement ailleurs. Ouais. Mais c'est ça, non, je monte pas avec des, avec des notes. C'est quand même fascinant. Tu peu d'humoristes, en tout cas, qui sont venus ici ou dont je connais le processus créatif, travaillent comme ça. Fait que c'est. très, très, très dans l'impro. Tu ouais. T'as un background d'impro, je ouais. crois. Oui, tous les Américains qui admirent, ils travaillent comme toi. Ah ouais, ils Pilots font ça. Comme ça, Louis C.K. comme ça. Souvent, ils n'ont pas, pas de notes. Ils font... fait que vraiment. Je trouve ça intéressant parce que tu développes vraiment une relation avec les spectateurs présents. Oui. Ouais, quand j'ai vu Bill Burr, il a fait qu'une demi-heure sur le Canadien de Montréal. C'est ça. ça. Il ne fait pas ça à Milwaukee. Mais, mais moi, mes shows préférés, c'est quand mettons j'arrive sur scène. Puis tu mettons, avec la pandémie, ça m'a donné ça beaucoup. Là, parce qu'avant, quand je faisais des shows un peu plus rapprochés, j'avais moins le temps de vivre des affaires entre-temps. Ouais. Moi, mettons j'ai un show là, à soir, mais je vais compter pas mal. T'sais, je vais commencer tout le temps par parler de ce qui m'est arrivé dans la ouais. semaine, la journée, le mois, slash. Puis il arrive. Il m'arrive tellement d'affaires tout le temps. Je, je suis tellement re, genre reconnaissant vers la vie de m'envoyer autant ces d'anecdotes et de trucs. J'aime tellement ça. Je rien de vomir un peu, mais ce ne sera pas long. <rire> 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 Tiens, on jase, on jase, mais j'ai de vomi. C'est pas vrai. Non, j'ai l'enchaîné, tu rates. Alors, mais que là, avec un genre de deux ans de temps de pause comme obligatoire, il m'est tellement arrivé d'affaires que les choses que j'ai refaites depuis la pandémie, genre 100%. De ce que j'ai dit sur scène, c'était la première fois que je le disais, mm -hmm. puis c'est sûrement la dernière fois, tu sais. Ouais. Moi, le, ce matériel-là, que c'est la première fois que je le dis, puis c'est la dernière fois, c'est ce que j'aime le plus, c'est ce qui me met le plus dans la zone de on est dans le moment présent en ce moment, je vous parle de quelque chose qui est vraiment comme qui vient d'arriver, que j'ai pas envie de reparler plus tard, c'est juste que j'ai envie de vous le dire maintenant. Mm. Ça, c'est vraiment le fun. Ça crée un certain vertige qui est vraiment le fun ça ben, grand vertige, puis pas en même temps. Okay. Vu que c'est de même que je fonctionne, c'est okay. juste, genre, je pars là-dedans, puis même que j'ai appris à me connaître, Puis si je commence un spectacle sans aller dans cette zone-là, je vais m'haïr, puis je vais pas avoir de fun, je vais être dans ma tête tout le long. Mm. Quand j'ai fait, j'ai fait comme deux clubs soda, genre deux, trois ans, puis le, le premier que j'ai fait, c'était malade, parce que c'était la première fois, puis je capotais, puis là, c'était vraiment le fun, je suis fou dans des bonnes énergies, bla bla. Puis le deuxième, on dirait que je me suis dit « Ah !» il faut que ça soit aussi le fun que le premier, il faut que ça soit aussi le fun. Fait que je vais juste compter des anecdotes t'sais, qui, qui me font vraiment rire puis que j'ai déjà compté, blablabla. Bla. Mm. Fait que je suis arrivé sur scène, puis j'ai tombé tout de suite sur le pilote automatique de compter une anecdote que j'avais déjà comptée. Pire affaire à faire. C'est ça. Je pars dans. Je tombe dans ma tête, je m'écoute parler. Pendant que je le dis, je suis comme c'est pas drôle, le monde n'a pas de fun, c'est long. Pourquoi j'ai déjà dit ça? J'ai l'impression de répéter une cassette, nanana. Puis là, je sors de scène. Puis ça, ça m'arrive plus. Puis genre, je travaille beaucoup, beaucoup là-dessus. Mais quand je sors de scène après une soirée de même où j'ai été dans ma tête, genre, tu sais, je sors, mon équipe est tout le temps là, là genre, tu sais, coulisses en train de m'attendre. Puis comme le public capote, là. Le public, on passait une assez belle soirée, là. Puis ils sont vraiment contents, là. Puis je mon équipe est comme « Hé, hey, c'était malade. » Puis je suis comme... J'ai passé une soirée de merde. Mmh. Ok, c'est curieux. Tu penses que tu as passé une mauvaise soirée? Je parce... suis genre, oh, j'étais dans ma tête. Genre, ah, si, je l'ai échappé. Crois-tu qu'ils savent, les <coughs> Non, ils le savent pas. Ça, ils ont ils pas savent du absolument du pas. Je vais y rencontrer après. Ouais. Je passe genre deux, trois heures à chasser avec tout le monde qui sont venus au show après. Ils sont comme, ah, si t'es malade, c'est fou, nanana. Ils ont vraiment eu du fun. Ouais. Mais genre, moi, je suis comme, j'étais pas dans l'énergie. J'étais pas dans le, le climax de la zone où il faut que je sois. Mmh. Puis cette zone-là, il faut absolument que je l'atteigne en partant. En allant oh, dans n'importe quoi, ouais. impro, blablabla. Bla, bla. Puis là, une fois que ça, ça part, honnêtement, c'est toutes tous mes spectacles où j'ai vraiment du fun puis ça fonctionne bien, je fais un 25 minutes, 30 minutes de gros n'importe quoi. Surfer sur ma journée, partir sur des niaiseries, nan, nan, déconner, déconner. Puis là, après ça, tu les moments préférés là, que genre, je capote, c'est quand j'arrive à faire un spectacle, j'ai l'impression que ça fait deux minutes, je suis sur scène, ma montre sonne. Ça fait une heure, je suis là, je suis comme. « Yes! <laughs> » fait que c'est ça. exact. un jour filmé tes performances ou tu sais pas encore Euh, oui, oui, je pense que oui. Je pense que oui. Il y a de quoi qui me stresse à, par rapport à ça vu que vu que sais jamais. Je suis pas en mode. je hey, vais aller filmer ce numéro là mm -hmm. parce que si qui est bon puis je l'aime Quand je monte sur scène. J'ai comme l'impression que si je sais que c'est filmé, ça me met dans un état weird, ça me stresse, mmh. je ne vais pas être à mon meilleur. Ouais. Mais il y a déjà des affaires qui ont été filmées. J'ai commencé tranquillement, pas vite. Ma gérante, elle me dit genre « Ah ouais, là, mouille-toi et puis sors de ta zone de confort un peu. Ouais. Fait que j'ai fait des, des petites captations télé, des émissions. C'est que ta, <coughs> toi, ta zone de confort, c'est avoir un, un temps fixe. Oui, <laughs> si oui, oui. Mais tu sais, depuis que j'ai fini l'école, on dirait que vu que je travaille un peu différemment, tous ces contextes-là qui sont plus conventionnels. Ouais. On dirait qu'ils me font peur. Tu dû haïr ouais. l'école, non? Non, j'ai adoré l'école. Okay. J'ai adoré l'école parce que j'avais jamais fait d'humour avant. Puis j'ai compris à la fin de l'école comment je travaillais. Fait que tout le long de ah. l'école, j'écrivais, j'écrivais mes numéros, j'écrivais des affaires en me disant, je me prête au jeu. Ouais. Puis c'est comme à vraiment à la deuxième année, à la fin de la deuxième année, que là, j'ai comme appris que, comment je travaillais. Mais euh, fait que c'est ça, fait que là, ah, ce que tu te fais à ce moment-là? Le moment où as réalisé... Oui, 100%. Puis je le compte quand même assez souvent. Ah. Mais c'est... Euh, il y a comme une soirée, j'étais allé avec des amis dans une soirée, on est viré pompette, je suis allé au 281, j'ai fait les auditions, j'ai gagné les auditions du 281. Le lendemain, je suis revenu à l'école, c'était un vendredi, il fallait compter un numéro, j'avais déjà écrit mon numéro, tu sais. Ouais. Puis là, finalement, j'étais comme, ah non, il faut absolument, je voulais compter à mes amis ce qui s'était passé la veille, parce que ouais. c'était absurde. Fait que j'ai dit, je vais scraper mon vendredi, puis je vais le compter à toute la cohorte en même temps, au lieu d'aller le compter à tout le monde individuellement. <laughs> puis le monde a eu genre, <coughs> ben bah, voyons donc. Magique, puis moi, j'ai eu sens. un genre de, c'est tellement fun fait que là j'ai commencé à travailler génial. de cette manière-là ouais. génial c'est vraiment cool ouais. c'est vraiment cool Fait que c'est même que c'est arrivé c'est bien excitant vraiment mmh. mais ça me fait penser un peu quand même aussi à la dynamique des en tout cas que nous on a par rapport au podcast moi je sais tout ce que tu vas dire c'est <laughs> bon es très <laughs> très bon. très je te lis tu le sais comme que j'aurais au moins chanté une fois c'est que j'en conviens d'accord mais ça me fait un peu penser à ça parce que même des fois euh, mettons qu'on commençait une intro puis que bon bug technique faut la recommencer puis je suis comme on ne pas la même affaire. C'est parce que c'était celle -là, la bonne. Puis ça. là j'ai perdu mon naturel de comment j'ai éclaté de rire à qu ce que tu as dit puis je m'attendais vraiment pas à ce que tu dis ça. Là je sais que tu vas le dire, je vais le jouer, oui, on va oui, oui c'est oui, fake. Oui. Moi je vais me réécouter ouais. pour savoir que je ris fake, le monde va me dire comment ah, c'est tellement beau votre complicité. Je suis comme non, ça c'est pas un moment complice. Fake, <laughs> tabarnak, le micro a coupé. Euh. <laughs> est coupé. C'est ça. Fait que je comprends vraiment mais je trouve ça super inspirant parce que je trouve que des fois on pense qu'il y a justement un chemin ou un pattern ou ouais. une façon de faire puis si tu mets ça à ta sauce, ça peut aussi Très bien allé, de toute évidence. Puis c'est ça. c'est comme, tu sais, je veux dire, j'ai pas euh, eu de difficulté tu sais, vraiment. Puis genre, je veux pas avoir l'air de comme me mettre dans une position de pitié, là. Mais tu sais, il y a quand même... C'est quand même un je pense selon ce que j'ai vécu avec mon équipe dans ma situation à moi dans certains moments un travail de plus à faire pour faire comprendre ta manière de travailler mm -hmm. et ça, mettons dans des dans des prods de télé dans des affaires qui demandent absolument des textes ben, c'est souvent de dire non ben non mais tu sais moi j'ai eu la chance que je me suis fait rapidement comme connaître sur les réseaux sociaux fait que là ben, les, les productions télé qui viennent me chercher c'est pas ça... mettons comme si genre moi genre je voulais absolument que je le fasse ce contrat là tu sais pour comme tu est arrivé là fait que là c'est mm -hmm. mettons il, il c'est ça. C'est apprendre aller, c'est. Exactement. C'est comme, comme ça que oh, je travaille. T'es pas d'accord, soit. C'est euh, ça. On pas. C'est mmh. pas un genre de « Ah, oh, ben t'es pas d'accord, mais genre arrange-toi une Non, non. Mmh. C'est genre vraiment dans la grosse mmh. bonté de « Hey, je le sais comment je travaille. Mmh. Je le sais dans quelle comme circonstance, circonstance j'ai du plaisir. Fait que si ça, c'est pas respecté. » je vais me faire chier, ça va te faire chier. Mm -hmm. Fait que je le fais juste pas, tu sais. Mm -hmm. C'est ça qui est le fun, tu sais, puis on dirait que genre j'ai eu des petites fiertés à certains moments quand mettons une production télé appelait, puis là ben ma gérante Marie elle disait mettons ah ben tu sais Mathieu fournit pas de texte blah, blah blah Bon mais ça pourra pas fonctionner, il faut vraiment qu'il fournisse un texte. Marie était comme OK bon mais parfait ben bonne production, on se revoit l'année ouais. prochaine bye. Mm -hmm. Il rappelle. Mm -hmm. C'est beau, veut, le ouais. diffuseur a accepté que Mathieu donne pas de texte, j'étais même. Abassant, ça sens ça c'est J'ai amis qui font même... <laughs> Les amis qui font la même chose là. Ouais. C'est ça le truc, tu dis non. Ils font semblant que ben, ça ne marchera pas, puis trois jours, puis tu Mais c'est ça, c'est ça exactement. Temps, il n'y a pas de temps Ça me fait rire à j'ai vécu un moment quand même assez cocasse parce que j'ai fait un, une captation télé, puis là, c'était avec plein d'autres humoristes. une l'émission Dans ma tête, mm -hmm. avec Patrick Grou, tu sais que tu fais la fiction en même mm -hmm. temps que ton numéro. Ouais. Ça, c'était vraiment le fun à faire. J'ai vraiment suis super tripé à faire ça. Puis là, c'était le moment de capter les numéros sur scène. Fait que tu sais, j'étais avec genre. Cathy Gauthier, Jean-Michel Antil, Mario Tessier. Moi, déjà là, j'étais genre, mon Dieu, ça me stressait. Ah, ouais. J'étais comme tous des humoristes que je vois depuis que je suis jeune. T'sais. Puis là, comme on est tous dans les loges en train d'attendre, puis là, la réalisatrice arrive, elle dit Ok, tout le monde, s'il y en a qui veulent réviser leur texte, avant d'aller sur scène, je vais vous passer une copie. Fait qu'elle passe une copie de texte à tout le monde, elle arrive devant moi, elle me donne une copie de texte. Ah? Là, je suis de même Hein, non, ça doit être une erreur mais là, je le pogne et c'est vraiment comme ce que je m'en allais dire. Et J'ai pogné un deux minutes. Je l'ai regardé, j'ai fait. T'as pogné ça ou toi? <laughs> un genre de. Ben, non, toi, j'ai jamais tenu comme un texte à moi dans mes mains. Puis finalement, c'est Julie dans mon équipe qui avait fait un verbatim d'un oh, enregistrement qu'elle avait fait juste pour leur donner une idée un peu de ce génial, que j'allais dire. Ça. Mais j'ai tellement ri, j'ai conservé la copie de texte. Je l'ai gardé chez nous. J'étais comme, c'est la seule fois de ma vie où j'ai un texte, un texte <laughs> genre un numéro que j'ai. Tu sais, des fois, je fais de la fiction, j'apprends des textes. Ah oui. Ça, ça me fait plaisir, j'aime ça. Mais quand c'est Mathieu Dufour sur scène, j'ai jamais mm -hmm. de texte. Fait que là, j'étais comme. Ah! J'ai comme crié, j'étais comme, genre, je suis viré, suspicieux. T'as pas nié ça où, toi, toi? Genre, t'es qui? <laughs> ça m'a fait rire. Puis t'as pu voir, on dirait qu'enfin, t'as pu voir ton œuvre. Oui! T'es comme, oh mon aussi. Dieu, c'est tangible. Oui, ça, ça. ça existe. Je fais vraiment quelque chose. Ouais, exact. C'est de l'art. C'est de l'art. T'as commencé, quand est-ce que t'as su devenir humoriste et ou slash artiste? Ou... Euh, j'ai comme tout le temps su. J'ai okay. tout le temps su parce que je faisais tout le temps comme rire mes amis. J'étais tout le temps le petit clown de la classe, le petit. Fait que rapidement, j'ai comme vu qu'il y a du monde qui faisait ça comme job. Fait j'étais comme, ben moi, je vais faire ça aussi. Ça se peut. Ouais. Puis on dirait que ça a rapidement été comme, ça a tellement été une certitude dans ma tête que j'ai jamais été, on dirait, dans la position de ça va-tu marcher ou pas mm -hmm. Puis comme avec les années, j'ai souvent parlé de ça, tu Puis genre au début, genre je trouvais ça hyper prétentieux de ma part de dire genre j'ai jamais douté, j'ai jamais douté. Mais au final, comme non non, genre il y a en faut des oui. gens qui le disent quand c'est pas c'est pas ouais. prétentieux, c'est juste genre c'est la seule affaire que je voulais faire. Fait mm -hmm. pourquoi ça marcherait pas, tu sais. Peu là, importe puis, ouais. comme le résultat, c'est ça que je vais faire, tu sais. Hum. Fait genre fait, voilà, c'était comme une certitude pour moi. C'est ma magique, c'est merveilleux. Quand tu sais ton chemin ou en tout cas quand tu le sens mais je trouve que ça répond aussi à comme tu dis de ton processus créatif quand tu le sens vas-y ouais. c'est que toi tu le fais comme ça exactement on, on sent le plaisir se communique puis je pense que c'est ça en tout cas en humour que les gens aiment ouais, 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 recevoir ouais, ouais, ouais. le genre de oui c'est ça puis moi c'est quoi que honnêtement je suis vraiment vraiment tellement fier d'avoir bâti mm. tu la relation que j'ai avec les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux ouais, là c'est incroyable c'est tellement beau là ouais. c'est comme il y a un gros bassin de monde qui suivent mes affaires puis qui me... J'ai l'impression de les connaître, j'ai l'impression mm -hmm. qu'ils me connaissent, puis je suis tellement comme, transparent avec eux, dans le sens que, tu sais, après, ça, ce qui est le fun avec ça, c'est que moi, j'ai tout le temps su que je voulais faire ça, que ça ne me pas arrivé. mettons, les gens qui commencent à me reconnaître ou qui qui m... beaucoup de ça gens qui me suivent, ça ne me pas chamboulé, ouais. étais juste... je savais que ça allait faire partie de tout ça, puis genre, j'avais hâte de développer ça. Fait que, tu sais, oui, je suis très transparent avec eux, mais comme je garde la main vraiment comme bien mise sur... Mon jardin secret, ce qui m'appartient, je sais... Mm -hmm. Je tellement la ligne est où, hein, ce que truc, je parle, ce que le, je dis pas. Le meilleur ouais. truc pour garder une intimité, c'est d'en donner beaucoup. Oui. Parce que les gens, ils pensent que ça savent tout, mais ne connais pas vraiment ton père, pas vraiment ta mère, exactement. Mmh. Puis dans le sens que es c'est ça, puis il y a comme un bel équilibre. En, tu sais, dans le sens que ce que je donne sur les réseaux sociaux, il y a comme la ligne est bien tracée. Ouais. Je sais c'est quoi mon gros bon sens de qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas. Mmh. Puis après ça, des affaires que je dis pas, j'ai pas l'impression de cacher des affaires. J'ai pas l'impression d'avoir de secrets. T'en donnes ouais. tellement. C'est ouais. ça, exactement. Puis fait que voilà, fait que tu sais, ce que j'ai bâti avec les réseaux sociaux, c'est tellement, j'en suis tellement content de ça là. Quand j'en parle, ça m'anime vraiment profondément de qu'est-ce que change. Je me considère chanceux parce que tout, tout. J'ai l'impression que ma vie. Tu sais, tu étais né en, en 1976, ça serait ouais. arrivé parce qu'il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas de... comme cette connexion-là facile. Mais honnêtement, pis tu sais, des fois, genre dans ma tête, là, dans les derniers jours, là, ça me challengeait de me dire faut que je fasse attention des fois pour pas que je montre que ma vie est trop mm -hmm. facile puis ouais. belle. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que ouais, je veux ouais. dire, mais je suis allé à l'urgence pour mon doigt coupé. J'ai fait des stories pour dire que j'étais à l'urgence. Finalement, il y a plein de personnel à l'hôpital qui ont vu que j'étais à cet hôpital là. Okay. Puis là, il étaient était fou okay. et ils venaient me jaser, ils yeah. venaient me parler. Puis là, j'avais pu de batterie sur mon sel fait que j'ai reçu une charge de sel. Il uh. y a tout le est des sandwichs. Yeah. J'ai reçu un livre, j'ai reçu, tu sais comme plein d'affaires, fait que je faisais des stories pour documenter tout ça. Je sais que le monsieur madame tout le monde qui va à l'hôpital, c'est fucking long, c'est plate, il y a pas genre t'es pas traité comme tu comprends. Yeah. Fait que c'est pour ça que pour moi J'aime ça, mettre ça de l'avant, ça fait partie de ce que je fais comme contenu sur les réseaux sociaux, de montrer les petits gens hacks de la vie qui m'arrivent, parce que moi j'appelle ça des hacks. À chaque fois que je vois quelque part, j'ai l'impression de connaître quelqu'un, on dirait j'arrive chez une vieille tante, à chaque fois que je vois quelque part. Ça, j'aime vraiment ça. Mais ma manière à moi de garder un équilibre dans tout ça, c'est juste que, c'est ça, j'en donne beaucoup. Je pense que les gens me disent souvent que ça fait du bien de consommer. Oui, je sais que c'est vraiment comme un estime de privilège. Quand on parle de gens qui perdent justement leur carrière publique à cause des gestes comme. Cave. Puis <laughs> là, le monde parle de Ou privilèges criminel. Ouais, criminel. criminel ouais. Les gens parlent de privilège perdu. Puis ils sont comment? Je comprends pas c'est quoi le privilège. Ouais. C'est ça le privilège. Puis j'en suis crissement conscient. Puis je chéris ça. Oui, vraiment. Ouais. Tu sais, on parle souvent des messages euh, fous qu'on peut recevoir, des messages de haine. Je pense que tout le monde y est exposé, mais c'est vrai aussi qu'on reçoit tellement tellement d'amour. Tu puis je pense que tu es devenu un ami pour bien du monde pendant oui. la pandémie. Ouais, ouais, je pense ouais, ouais. qu'on est devenu le couple d'amis de bien ouais. du monde pendant la pandémie aussi. Puis c'est vrai que c'est un privilège parce que le, le, les petits messages qu'on reçoit ou les petits clins d'œil ou les petites interactions, ont en tout cas, moi je trouve je sais que t'en tu n'esais avec ça, mais c'est vrai que quand on sent qu'on a fait du bien, même juste à une personne, ouais. c'est tellement glorifiant. Là. 100%. Moi, je sens, moi, personnellement, ce que j'aime, c'est que ça m'a enlevé mon anxiété sociale. Parce que le plus difficile de rencontrer quelqu'un, c'est le moment de Ah, moi, j'appelle Thomas. Ouais, ah, ouais, ouais. ouais là, ouais. ça casse ah ça. ouais. Les hey, gens. Hey, Tom, salut. Ça, c'est quoi? Mireille. C'est. Puis t'abordes direct, oh, oui. à, mettons, à la limite avec un inside ou avec oui. un genre de ⁇ Ah, oh, t'as l'affaire ⁇ Oui, oui, oui. oui. Parce On avait déjà des moments de complicité avec ces gens. -là. Mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est ça, ça répond à comme un... C'est vrai, de, de calmer l'anxiété par rapport aux, aux relations sociales. T'sais, moi, je, des fois, ça m'arrivait avant, de quand j'étais plus jeune, genre, je ne pouvais pas arriver à quelque part seul. Ouais, ouais, je comprends. Moi, ça m'a toujours créé de l'anxiété. maintenant je m'en allais chez un party. Il y avait comme plein de monde qui était là, des gens que je connaissais pas, des affaires ouais. comme ça. Des affaires comme ça. Des, <laughs> des humains, des extraterrestres, euh, des affaires comme ça. Le gars bientôt, là. Oui, oui, oui. Marcel, oui, oui. Il revenu, <laughs> Marcel. Il est revenu, mais il dans le costume. Marcel Liguane, <laughs> il était là. mais était là. Ben, genre, j'appelais. J'appelais mes amis, puis je disais, on mettons, main Hey, main sors, main... sors, viens me chercher. Ah, ouais. Je pouvais pas rentrer quelque part, tu comprends? Je sais pas, ça me stressait, mm -hmm. j'étais comme le monde. Je le... pense que je suis l'inverse. Si moi je suis l'inverse, l'inverse existe. Mm -hmm. C'est ça, exactement. <laughs> fait que là, j'étais de même, on dirait que c'est ça, avec les années, comme ça, ça m'apporte une certaine, comme, je sais pas, une confiance, un genre de, à la limite, je vais rentrer, il y a peut-être quelqu'un qui va, comme, savoir un, un peu qui puis je vais avoir, comme, une belle relation avec ça, puis, tu sais, une, une belle porte d'entrée, où ça va casser mm -hmm. la glace, ou... Euh, ouais. Ouais. Un autre truc que, que j'ai trouvé super intéressant de toi, c'est quand tu gagnes gagné aux Oliviers, tu vraiment juste droppé de façon vraiment juste charmante et amusante <laughs> le fait que tu es gay. Ouais. Puis en même temps, j'étais comme, quelle belle façon de faire un statement sans que ça en soit un. Hein? Oui. Fait pourquoi tu le dis T'avais-tu envie de le dire T'avais-tu pas envie de le dire euh... ça, ça, ça me fait rire parce que ça a tellement été encore une fois non prémédité. Oui. Absolument non prémédité. Moi, comment ça a été dans ma tête, c'est que j'étais assis, puis là quand j'ai vu que j'allais comme, tu sais, peut-être gagner, j'avais comme un, un peu une idée de ce que j'allais dire dans ma tête. Ouais. Mais encore une fois, si j'ai de quoi dans ma tête que je sais trop ce que je m'en vais dire, si je m'en vais le dire, je vais avoir l'impression de réciter quelque chose. Fait que j'étais comme, faut que je me trouve une idée sur le fly. Mm -hmm. Moi là, 10 mon temps, c'est 10 minutes avant une performance ou avant de prendre la parole en public. Il faut que je m'aille trouver une idée dans ces 10 minutes-là qui est nouvelle dans ma tête pour aller la dire. Parce que sinon, je récite, je suis dans ma tête, ça va pas. C'est pas mm -hmm. frais comme tu veux. Exactement. Fait que je me rappelle très bien d'avoir été assis comme 5-10 minutes avant qu'il présente la catégorie euh, artiste COVID de l'année. Puis dans ma tête, comme je me refaisais tout le temps mon esthétique que je m'étais fait. Je disais comment ah, je pourrais dire ça, je pourrais dire ça. J'étais comme Arc, ah, ça va tellement être plate, je vais tellement pas être moi-même mm. Fait que là, je me suis dit. Oh mon Dieu. Fait, moi, souvent, mon truc, c'est d'aller dans analyser la situation et parler de la situation. Tu comprends? Un mm -hmm. peu méta. Ouais. Fait que là, dans ma tête, c'est comme, je m'en vais faire peut-être mes premiers remerciements dans un gala. Dans ma tête, je me suis dit, j'ai pas envie de faire un Mitsu. Il y a la situation de Mitsu mm -hmm. qui m'est venue en tête quand elle avait à la disque fait une joke de Lynn and Chess, genre un peu malaisante. Je l'adore, <laughs> Mitsu. Mais c'est ça, ça me fait rire beaucoup. Fait que là, genre, en arrivant. Ouais, à, elle est passée par-dessus, c'était prêt. Ben oui, 100% à 9 <laughs> d'autres. Si, à 9 neuf neuf oui. Fait que, hi Mitsu. <laughs> puis euh, fait c'est ça. Fait que là, je me suis dit, ah, je vais dire ça, blablabla. Puis là, ben, une fois que ça, ça part, je, comme sur mon aller naturel de, je t'arrête de jaser de tout et de rien, blablabla. J'ai parlé de ça. Puis là, en terminant, je me suis dit, ah, je vais faire un, un, un round de wrap-up, de remerciement. Fait que suis comme, mon équipe, mes parents. Puis là, je me suis viré vers Annabelle ma cola, qui était là. Et là, dans ma tête, l'image que j'ai eue, c'est, ah, si toutes les madames ou les monsieur de région vont penser que c'est ma blonde, mettons, ouais, j'étais ouais. comme, ça a été naturel pour moi de juste faire genre, ah, en pensant c'est pour ma blonde, je suis gay fait que c'était comme ça parce que c'est le même que je le vis dans ma vie c'est le même que je le drop souvent ouais. t'sais, avec des, des, dans des conversations hey. dans des amis bla, bla, bla. puis euh, voilà fait que j'ai comme dropé ça puis genre jamais j'aurais pensé que ça allait avoir l'impact que ça l'a eu ouais exact puis là les gens comme mais c'est ça j'ai comme été confronté pour la première fois de ma vie à un genre de statement justement comme ouais. te dit que là les gens voulaient savoir c'était tu prévu c'était tu voulu ils voulaient tu faire un un ils voulaient fait que là moi j'étais juste comme comme dans n'importe quel moment de ma vie j'ai juste dit ça parce que ça me tentait de le dire à ce moment-là. Ouais. Ce n'était pas j'en prévu depuis sept mois de genre j'avais pas une équipe de relations de presse ouais, ouais. que j'ai payé 10 millions qui m'ont dit ouais. là, Mathieu, dans les cinq dernières secondes de ton discours, <laughs> tu vas dire que ce n'est pas ta coloc, tu sais, n'est pas ta blonde. C'était ouais. ouais. vraiment juste comme très gamin de ma part de dropper ouais. ça comme ça. Puis je suis vraiment fier des répercussions que ça a pu avoir parce que ça a apporté des belles discussions puis de genre de. Le communion, genre peux-tu passer à d'autres choses? Là? Ben mm -hmm. je pense c'est ça, c'est que. C'est pas pour tout le monde. Ouais. Il, y a du, il y a du monde qui. Peut-être que c'est un beau moment pour eux, puis ils ont envie. Oui. Puis donc, il faut, ça ne m'intéresse pas de vivre ça. Exactement. Puis à mm -hmm. chaque fois que je parle de ça, je trouve ça important de nommer le fait que, en ce moment, je parle avec mes œillères de genre Mathieu Dufour, euh, Canadien, Québécois, genre euh, ça va bien. Ça va bien. Pas en Iran, là. Non, c'est ça, exactement. Tu comprends? Je, ça me traumatise. Si genre, je commence à penser qu'il y a encore des pays dans le monde où genre, il y a la peine de mort ou des affaires comme super, comme trash par rapport à l'homosexualité, ça me rend dedans. C'est le qui vient vraiment, vraiment m'ébranler. Ouais. Je sais que je parle vraiment comme dans ma situation à moi. Là, je sais que c'est difficile pour plusieurs. Je sais qu'il y en a qui ne le feront jamais. Je sais qu'il y en a que ça peut les amener au suicide. Je sais ouais. que c'est vraiment compliqué. Mais moi, dans ma position, je pense où je suis rendu à faire évoluer cette situation-là dans mon petit comme, enclos à moi. C'est que ce n'est pas obligé. It's not a thing. Ouais, c'est ça envie d'asseoir ma famille dans un salon le soir et puis j'en leur dropais ça comme si j'avais un cancer non ouais. <laughs> c'est ça <laughs> ouais mais c'est justement moi ce que j'ai aimé c'est que je trouve que tu sais souvent la télé c'est un médium qui est super encadré puis je ouais. comprends les raisons c'est oui. correct c'est quelque chose qui a été développé comme ça puis qui, 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 qui est rendu c'est très des, des formats calculés comme tu disais tantôt on demande des textes puis des choses comme ça il y a une pause ça. en 6 minutes mais ouais. j'aimais le clash de ton naturel qu'on adore puis qui, qui, qui vit tellement bien sur les réseaux sociaux avec une structure absolument plus encadrée puis que chaque mot veut dire 14 000 ouais. enfants même Exactement, oui. Puis euh, justement, ce naturel-là fait en sorte que ça transcende cette lourdeur que, que peut avoir la ben, J'aime ça, la manière que tu le vois, parce que c'est vrai que c'est ça. Puis après ça, moi, j'ai tout le temps un syndrome dans ma tête où, quand je fais des affaires, moi, je ne suis pas capable de les voir réellement à la hauteur ou comme à, mm -hmm. à la vérité de ce qu'ils sont, mettons. Mm -hmm. À chaque fois que je fais des, soit des apparitions publiques, des émissions de télé, des affaires comme ça, quand je me vois, j'ai comme l'impression que c'est moins nice ou genre c'est moins important. T'sais? Parce que, par exemple, exemple Roxane Bruno Ouais. Tu sais, qui gagne interprète féminine, des gros prix, tu sais, à la bla bla Puis je la vois aller, puis je suis comme « Chris, you go aussi! » Puis genre, t'es en train de marquer quelque chose, puis c'est nouveau, puis genre, c'est beau, puis c'est rafraîchissant. Mais tu sais, je parle avec Roxane, puis nos deux, elle, elle, elle me voit au contraire. Puis elle, c'est ça qu'elle voit comme de quoi de nice. De... Fait que tu sais, genre, mm -hmm. de, de vous en entendre parler, de, de, de vous entendre parler de ça, on dirait que ça me remet une petite couche de « Ah, c'était quand même un beau moment. Ouais. » Puis euh, c'est ça. Ça me Parce rend comme pour... fier, puis je trouve ça beau. Oui, mais c'est simple. C'est simple, ouais. c'est beau, puis c'est... Des fois, c'est justement d'avoir un œil extérieur sur ce qu'on fait, ça ça nous le relativise ou ça nous ouais. l'explique ou puis je trouve ça important parce que comme tu disais pour toi c'est pas compliqué être gay tu es dans une situation où est-ce que autour de toi tout le monde l'accepte super bien tout ça ouais. c'est pas le cas de tout le monde fait puis tu, tu le dis comme tu dis en étant toi-même puis de façon tout à fait normale mais pour certaines personnes de voir ça ça peut tout changer exactement ouais. genre ouais. Des comme des nouveaux modèles des situations gens qui sont comme parce que tu veux plein de modèles oui monde qui sont... il y a du monde que leur, leur homosexualité c'est politique ça les regarde ouais. il y en a qui veulent pas trop en parler il y en a qui veulent l'afficher il y en a qui veulent que ça soit simple que ce soit sérieux. Exactement. C'est des modèles. Oui. Tu peux choisir plutôt que. Non, c'est le même. Puis, mettons, là, si tu regardes, dans les modèles, mettons que les euh, hétérosexuels avaient quand. Mettons, tu sais, ils écoutaient des enfants, euh, ils écoutaient des émissions quand on était jeunes. Mm -hmm. Ils écoutaient des enfants. Écoute des enfants. Quand tu écoutes des ah, enfants. Oui. Non, des enfants. Ils sont -tu <laughs> cons, <ouais? rire> Ils comprennent rien. Non, mais c'est ça, mais tu sais, il y a comme. Justement, tu sais, comme des, des types de modèles, genre, hétérosexuels, il y en a des. Centaines là, des gens ouais. qui sont super sexy qui font tout le temps des commentaires là-dessus, des gens qui en parlent pas partout, ouais. des gens qui s'affichent, des gens qui s'affichent pas, des gens qui montrent leur relation, des gens qui montrent pas leur relation. Fait que euh, c'est ça. Fait que si j'ai, si je peux avoir comme ça, ça me rend, je trouve ça beau de me dire très humblement que je peux être un modèle pour quelqu'un ou genre juste, hey, pas un modèle. Je trouve ça trop Je trouve ouais. ça trop imposant ce mot-là. Si je peux Alors être un une exemple. carte, ouais. une carte ou une clé ouais. de plus ouais. dans le jeu de dans la main de quelqu'un, je trouve ça le fun. Et là, parlant de, de relations, c'est ouais. comment dater quand on a un niveau de popularité aussi grand? T'as-tu daté? T'es-tu allé en date? Ah ben, J'ai une des question ouais. humour <laughs> une, une question plus humour. Excuse-moi de t'interrompre parce que nous, les, les hétéros gars, en oui. humour, humour super facile. Plein de filles. Les filles humoristes, ça marche pas. T'as beau être la, la fille la plus drôle, la plus fun. Pourquoi? Il y a quand même des gars. suite à l'épisode avec les données de Relais où j'ai dit que je préférerais recevoir des recettes de croissants aux pommes que, que de des J'ai reçu plein de recettes de croustades aux pommes. Intéressant. Très gentil. Je les remercie tout le monde. J'en ai pas fait une parce que je suis occupée. Mais, Mais merci. Mais merci pour ça les boys. Pas... <laughs> Mais, Mais... Euh, généralement les ça aide pas pour ouais. creuser. pour les homo, ça aide-tu? En fait là. Je pense que dans n'importe quelle situation qu'on parle genre hétéro, gars, hétéro, fille, genre homosexuel, gars, homosexuel, fille, n'importe quoi, je pense que c'est pas ton orientation sexuelle qui détermine comme, comment ça va être dans ta facile, situation. Ouais. Je pense que c'est ta personnalité. Mm. T'es-tu quelqu'un qui a envie d'été? T'es-tu quelqu'un mm. qui a envie de fourrer à gauche et à droite? T'es-tu mm -hmm. quelqu'un qui a envie d'avoir mille relations? Tu comprends? Fait que je pense que je pourrais pas répondre en tant que les homosexuels en <laughs> humour. C'est <laughs> dur! Tu comprends? Ouais, Parce qu'il y en a des humoristes gars ouais. que pendant la tournée, genre, ils fourrent ouais, d'un bord puis de l'autre. Il y en a des humoristes gars aussi qui ne fourrent pas. Mais ouais. je connais pas de filles qui. Mettons, je connais pas. Y a ben ben moi, j'ai un Martins. gars dans chaque ville. <rire> <rire> Après ça, ça me fait rire parce que j'entends déjà ma mère qui était comme, franchement, là, tu dis fourré, là, c'est vulgaire. C'est ça, mais c'est ça, parce que quand tu vas souvent, bref. Tu fais pas l'amour. C'est ça, exactement. C'est ça, c'est fourré, mais je me trouve vulgaire, mon dieu. Mais tout ça pour dire que c'est ça, c'est pas comme ta situation ou ta position selon ton orientation sexuelle qui va déterminer ça. Fait que là, ce que je vais dire en ce moment, je ne vais pas parler, je ne vais pas prendre la position de tous les gays en humour. D'accord. Mais ce que j'allais dire, c'est que moi, dans cette sphère-là, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai été intéressé à développer guideur, plus jeune. Comme... Ouais. Même genre, tu sais, je pense que la première fois que j'ai pensé dans ma tête à trouver quelqu'un genre intéressant, pour me dire genre, ah, je pourrais peut-être comme, être attiré ou non, je pense à été genre au cégep. Tu mm -hmm. comprends? Fin secondaire, début cégep. Fait que tu sais, j'ai pas été comme en couple tout le temps. J'ai pas été comme, tu sais, à DT. J'ai pas mm -hmm. genre cet appel-là. J'ai pas comme nous, on a nous, on est des... Vous étiez des grands daters euh, en série, vous autres. Ouais. Euh, moi, je suis pas dateuse en série, je dernière... suis une player. Ah <laughs> ouais. ouais, ouais, ouais. Non, en, fait, ouais. Je, en fait, je pense que si tu développes cet intérêt-là plus jeune, inévitablement. Tu sais, tu viens avec une passion, avec... Une passion une ça devient passion. comme tu viens avec des skills puis comme tu as envie ouais. d'essayer des affaires plus. Mais moi aussi, ça a été tard, ceci dit, par exemple. J'étais okay. tu genre je... 17-18 ans. Avant, ouais. c'était... Mais c'est parce que j'allais aussi dans un programme enrichi. Le fait qu'on était une mini-clique ouais. puis tout ça. Fait que tout le monde est vraiment ton Amis. ami. C'est ton là. cousin. C'est ça. Tu sais, c est, c est, oui. Fait que moi, j'ai comme pas développé cette affaire-là quand j'étais plus jeune. Fait que genre j'avais pas comme d'intérêt nécessairement puis je me, re... je me suis rendu compte, moi c'est ma vision à moi. Je me suis rendu compte que ma vie était crissement fantastique et complète sans ça, mm -hmm. puis je voyais beaucoup, beaucoup de mes amis, mettons, qui s'embourbaient dans des relations de dating puis de relations de couple de marde, puis de non, J'étais comme « Est-ce qu'en ce moment, j'ai envie de me rajouter de la marde dans ma vie? » Genre, oui. pas nécessairement. Fait que, genre, tout le cégep, j'étais comme super impliqué. Genre, je faisais mille projets. J'avais comme plein... Beaucoup d'amis, des relations qui sont très, comme, fortes, tu sais, qui m'apportaient beaucoup de d'amour, là, d'une oui. certaine manière, tu sais. Puis j'avais comme pas ça, cette envie-là. Puis euh, comme dans les dernières années, on dirait que genre je suis rendu à 27 ans, fait que j'étais comme juste inévitablement, on dirait que l'envie m'est venue de me dire ah oh, ça, ça pourrait peut-être me tenter mais le dating no thank you. Aucune chance. <laughs> Premièrement, je suis allé à une date Tinder dans ma vie. On okay. t'écoute. que mon ami m'avait forcé à aller, Elle était okay. comme faut que tu essayes, go out there, Essaye des affaires, va essayer. Fait que je suis allé sur une date Tinder dans ma vie, okay. euh, à mi-parcours de la date, j'ai fait que call, oh, je suis parti. Wow. Genre j'ai juste fait Oui, tu me tu mais ben non, mais ok, mais je m'en viens là. Excuse-moi. Genre, je suis parti en Bixi. Genre. C'est ouais. incroyable! <rire> <rire> je parti en Bixi. Ça rajoute à la mise en scène quand même ouais. de le voir passer. Non, mais parce Bixi que. Après ça, corps. après ça, je je viens je sais, j'ai l'impression que quand j'en parle avec des amis, souvent, ils me disent Mathieu, t'as une, une vision idéale de tout ça, genre, tu t'as ouais. une vision trop facile de tout ça. Mais si je fais un pont entre ma carrière et ma vie personnelle, ma carrière, tout le monde m'a toujours dit. L'humour, tu vas rusher, ça va être de la marde, tu vas avoir mille échecs, tu vas faire des bars pendant 10 ans. Non, non, non. Moi, je regardais ces gens-là puis je leur disais, excuse-moi, ça, c'est pas mes plans. Mm -hmm. Moi, je pense que ça va être le fun, simple, ça va aller vite, puis genre, j'aurais pas... Puis c'est ça qui est arrivé. Mm -hmm. Fait que là, dans ma tête, on dirait que ça a déclenché une affaire de... Tu peux un peu décider, genre. Oui, il ouais. y a des aléas de la vie qui font en sorte mm -hmm. que des fois, ça arrive pas comme tu le veux, mais j'étais comme... Le monde qui me disait, faut que tu mille 1000 dates avant de trouver le bon, puis ça va des relations de dates. Ouais, le ouais, monde disait ouais, ouais, ça beaucoup. tu ah, ouais. tiens 1000? C'est une expression, Thomas. Oui. 50. Moi, je l'ai essayé, là. Mais c'est pas le fun. <laughs> <laughs> T'as as pogné le 1000. Mais ça pour dire que j'ai appliqué le même genre mentalité à ma relation de comme vie personnelle, couple. Puis à un moment donné, je me suis décidé à me m'm dire, genre, hey, ça, ça me tente comme de rencontrer quelqu'un puis de voir quelqu'un. Puis comme quelques temps après ça, j'ai comme rencontré quelqu'un puis en ce moment je suis en couple yeah <rire> yeah <rire> mais ça a été comme super simple ça, ça me, me je dans me coupe? suis pas fait chier oui j'aime ça okay. oui j'aime ça être en couple je trouve ça le fun puis ce que je trouve le plus beau là dedans c'est que j'aime ça genre apprendre dans la vie j'aime ça comme des, des nouvelles expériences des affaires comme ça fait qu'en en ce moment j'ai pas la prétention de dire que je suis la meilleure personne tu sais je me connais pas en couple là. ça va faire mm. comme cinq mois mettons fait j'apprends à me connaître là dedans je le vis je trouve ça full de fun puis euh, voilà où j'en suis. Ouais, fait que j'ai pas vraiment des. Euh... Ben, j'ai. Moi, je me suis dit, je vais pas mettre en couple avec le premier venu, là. Parce mm -hmm. que justement, j'ai tellement des relations fortes d'amitié, puis j'en suis tellement proche, de ma famille, de ces gens-là, que je me disais, faut que ça soit call-lisse-ment-nice. Oui, faut, faut que ça soit vraiment un plus. Oui. Parce que j'en ai pas besoin. Je, je répète encore célibataire en disant, ans, ça m'aurait pas fait un plus à la poche, là. Mm -hmm. Absolument pas. Fait que j'étais comme, faut que ça soit vraiment un plus. Fait que. Quand j'ai rencontré comme ce gars-là, ça a été comme rapidement, je me suis dit, ben voyons donc. Ça a, été comme, ça a été comme toutes les affaires qui me sont arrivées dans ma carrière que je m'ouvre les yeux après quatre mois, puis je suis comme, ah, j'ai gagné un Olivier, puis genre, je fais le belle. Je me suis ouvert les yeux après cinq mois, puis je suis comme, ah, hey, ça fait cinq mois, je t'en en de fuck, c'est le fun, c'est juste léger, c'est le fun, <laughs> c'est relax, c'est le fun, je capote, je serai dessus. Fait que Ça a été ça, tu ouais, comprends? Ouais. Fait que ce que je trouve le fun, c'est ça, c'est comme le petit plus, ce genre de relation-là que, tu sais, ça, des petits insights, des petites affaires, des conversations, tu voir, c'est le fun. J'aime ça. Que dis je en premier? Je pense que ça a été Peut-être lui, mais peut-être moi aussi. Je pense que ça a été dans un délai de comme 5 secondes, genre je t'aime, je t'aime, Ça a été rapide. Ça a été là. tu sais, moi, ça n'a pas été une affaire de. Pis tu sais, je savais clairement ce que je voulais. J'avais pas envie, moi, d'été pas clair pendant six mois, ah, de ouais. genre on voit mille personnes. De... Moi, je vois pas de monde. Moi, en ce moment, j'ai envie de te voir, toi. Si ouais. tu as envie de voir d'autres mondes, ben. C'est correct, c'est pas fait pour faire, tu sais, dans le sens ouais. que moi, j'ai pas envie ah, oui. de ça. Puis lui, il était de même aussi dans sa tête. Fait que, ça a été comme très... On était sans même longueur d'onde là-dessus, on était en couple, pas rapidement, mais quand même assez rapidement, de t'as envie d'embarquer là-dedans, c'est ça qu'on vit, oui, cest tout clair pour toi, c'est clair pour moi. Parfait, on part. Puis tout le temps dans la. C'est ça que je trouvais beau, genre dans la communication bien ouverte de Hey, oui. le jour où il y a quoi que ce soit, on se le dit. tu me oui. le dis ouais. Genre, mettons demain matin, là, genre, t'es gosse et de moi, si t'as envie de te rencontrer quelqu'un que t'as envie de d'aller avec genre dis-moi les là genre euh, je me ah. colle en boule dans ma chambre pendant quatre <laughs> jours en broyant puis genre ça va juste faire de moi plus fort mais je vais renaître comme un grand crise de Phénix, man bah bitch tu comprends c'est pour ça que mes amis des fois ils me disent que j'ai une vision un peu idéale de tout ça parce que je vois de mes amis qui datent, qui datent, qui c'est rough puis genre je suis comme pourquoi t'as besoin absolument de rentrer parce que là je veux pas être méchant mais tu rentres juste des douilles dans ta vie depuis ouais. trois mois là ouais. fait que pourquoi t'as envie de rentrer 15 douilles genre dans ta vie de plus que t'as pas besoin attendant de trouver le bon mais oui mais c'est facile à dire mais je sais pas. Ouais. J'ai j'apprends dans tout ça, j'ai pas la, la science Toujours infuse mais aussi, Exactement. Ouais, ouais, ouais. Fait okay. c'est ça puis fait d'été moi je l'ai pas vraiment fait. Je l'ai mm. pas vraiment fait puis même que j'ai été banni de Tinder. OK. Parce que le monde signalait mon profil en disant que je j'étais pas le vrai Mathieu Dufour. Oh ah. génial. Fait que j'étais comme la gang là, je veux dire je suis pas uh, dually là, <laughs> laisse-moi une chance. Non, mais tu dire cette phrase-là, j'ai été banni parce que ah. le monde me signalait, parce qu'ils pensait pas que j'étais le vrai, ça fait tellement manger de merde, mais, mais c'est si quand ça même arriver, ça. Oui. Quand j'essaie, admettons, si j'essayais d'ouvrir Tinder, genre de downloader Tinder, je mettrais mon numéro de sel ou mon nom ou mon Facebook, ça dirait vous êtes banni à vie. Ah, oh, c'est wow. génial. J'aime que toi, tu es banni à vie, mais le Tinder Swindler, c'est correct. Le, le Tinder, ça j'ai pas écouté mais il faut que j'écoute. C'est bon hein. Il faut que je l'écoute Mais point. sinon, un autre petit euh, dans le monde des applications de rencontre, il y a comme une application qui existe. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Raya. Non. non. C'est une application là mon dieu mon dieu. Ça y est. Je peux pas croire que je m'enligne là-dedans mais parce que c'est le running gag avec mes amis à chaque fois qu'on parle de Raya une nouvelle personne, okay. tu as l'air de la personne la plus prétentieuse au monde en parlant de ça, OK, okay. Fait que je me lance mais je ne suis pas prétentieux tout le monde, on part. Raya, c'est une application aux states. Ouais. Puis dans le fond, c'est comme fait pour les gens qui sont un peu connus, okay, oui, oui. genre ont de oh, l'argent, genre, tiens mettons, j'ai croisé euh, Lille Nazix là-dessus, okay. là là, tu sais, okay. genre, c'est vraiment les vrais comptes certifiés. Mm -hmm. Tu peux pas faire de screenshot sur cette application-là, si tu fais un screenshot, genre, parce que tu es comme, oh mon dieu, j'ai croisé genre Lille Nazix, ouais, ouais. genre, ils te il wow. faut que tu payes par année pour être là-dessus. Puis j'ai une de mes amies. Genre de fil en aiguille c'est ramasser la touche, je sais pas trop quoi. Fait que là, j'étais comme, oh mon dieu, je vais essayer. Genre, ça me tente d'aller voir, tu sais que les quoi. Les peuvent s'inscrire. Euh, faut que tu aies comme un referral. Genre, faut que, ah que tu aies okay, quelqu'un okay. qui te réfère à l'application. C'est comme un club privé. C'est ça, ouais. C'est comme un genre de club privé, une application pour genre, tu sais, parce que pour vrai, si je me fais banner mon contender, je suis comme, je suis même pas connu. Imagine le vrai monde connu. Ils rencontrent ouais. comment? Genre, ils font quoi, tu sais? Fait que là, je me suis inscrit cette application-là et ça me fait rire là j'ai l'impression d'être dans une série j'ai l'impression d'être dans élite genre ouais. parce que non mais parce que ce qui est le fun c'est que là j'ai j'ai switché mon profil à comme juste amitié slash comme rencontre professionnelle ouais. mettons ouais. mais comme je suis en contact avec genre plein de monde genre des producteurs élite genre des acteurs Génial. plein de monde puis genre on a des vraies conversations puis genre j'aime vraiment ça mais cette application là genre elle est comme il y a genre un hype à ça me fait oui, rire parce que un projet pour toi deviens ami avec un producteur de Bollywood et participe à un film de Bollywood. Oh, oui. Mon grand casse de Rêve. Ça serait extraordinaire. <laughs> et c'est à portée de main. Oui. Si tu deviens gigantesque à New Delhi, c'est grand, là. On, on va être fiers de, fiers de toi. Mais non, mais tu sais que. C'est le genre de projet qui m'allume puis je vois pas ça pas tant possible. impossible. Non, c'est pas impossible. Il y a, y a, y a un chemin. Il y a un chemin. Oui. Il est, est long, il est périlleux, pis il est bizarre. Il y a un chemin. Mais peut-être pas si périlleux que ça. C'est bizarre. bizarre. Oui, bizarre. Il est bizarre. Bizarre pour mais... sûr, mais pas si périlleux. <laughs> je me vois dans une grande robe, genre. Oui. Oui, Et oui, puis t'es tellement grand avec tes cheveux. Ah ouais, ah c'est dans... possible. Ça serait extraordinaire. Moi, je pense qu'au rythme la graine est semée. Dans six mois, c'est fait. <laughs> J'aimerais ça. J'aimerais ça. Le on... prochain, c'est la première de vous, les, vous êtes les premiers à qui j'appelle pour vous dire si jamais ça arrive. J'espère. Très motivé. Mon Dieu, on très motivé. On très, très, très motivé. Je vous flyer une flyer dans la première. Oui! A ah mais ok. Possident. Mais ultimement, oui. oui ben si on, si on peut offrir un referral sur Raya à Poseidon. Non non non, non 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 non. Mais pas Poseidon là-dessus. C'est pas une bonne idée pour personne. Pas pour Poseidon. Pas pour l'application. Pas pour personne. Pas. Pas. Non 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 <laughs> non 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 non. Tu connais ces assassins privés là Tu sais pas comment ça peut. Non non non. On va pas là. Non 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 non. Ah. Parlant de relations amoureuses, mon amour. Est-ce que c'est le moment de. Que sûr, dit, c'est fini entre nous deux. <laughs> Parlant de relation amoureuse, merci pour tout ce que tu m'as apporté, mais maintenant, je pourrais passer ça autre chose. <laughs> Mathieu a dit que c'est important d'être honnête. Que... <laughs> moi, ça, je cherche la petite, moi j'ai une date. <laughs> c'est le moment de lire des dates. Oh yeah! J'avais hâte à ça. Ah, je suis excité. On a des dates, pas piquer des verres. Ce segment est présenté par Eros et compagnie. Eros et compagnie est un sex shop. C'est-tu le cadeau, ça? Oui, c'est le cadeau. Je l'ouvre ça avant ou après? Dans environ ah, euh, 15 secondes. C'est parfait. <laughs> que j'ai strappé ta blog. Rien, il n'y a pas de problème. Héros et compagnie, si tu as envie de te masturber seul ou avec ton amoureux ou ton, ou ton amoureuse ou pendant une partouse, Couple 15. Tu as 15 sur tout ce qu'il y a en magasin. Let's go. Tu peux mettre de quoi dans la bouche Sur des parties gintanes, dans le cul, du massage, du linge. Let's go. Hé, hey, c'est confidentiel. C'est confidentiel. Fait que les affaires. Let's go. J'ai une amie qui a déjà acheté un genre de bombe pour les mamelons à la cannelle piquante. Oui. Pardon? Ouais. Et euh, quand. Ça me parle. À chaque... <laughs> ça fait très cœur à la cannelle, tout ça, j'adore. Mais le nom de ce produit-là. Pourrais-tu m'envoyer ça pour que je rajoute ça au panier? Au <laughs> couple de 15. Et l'hiver, à chaque fois que son chum avait les lèvres gercées, puis et disait T'as-tu du bombe à lèvres? Elle refilait ça. Ah, C'est Julie, ça. Oui. No. Là, il mettait ça. Oui. Le pauvre homme oui. insouciant qui se mettait du boom à mamelon. Oui, oui. C à chaque fois qu'elle faisait ce gag-là, il se faisait prendre. On pourrait-tu juste dire boom à mamelon toutes les trois ouais. en même temps Un, deux, trois go. boom à mamelon. Ça se dit. Ça le fun. à <laughs> mamelon. C'est le fun. Ah oh, oui, un beat. Ah, oh, j'espère que ton, ton Bollywood soit sur le baume à mamelon. Boom à mamelon. mamamelon à mamelon. Boom à mamelon. Ah Non, c'est déjà écrit. T'as déjà le scénario. <laughs> tu peux déjà l'envoyer au gâteau de Bollywood. Let's go. Non, mais ça va virer weird. Il va y avoir plein de monde gros mamelons géants autour de moi. Et où le problème Moi, je vois pas de problème. Il a pas de problème. Moi, je suis ça oh, bon. Ah non, il n'y a pas de problème. Bon, maman, mam, mam long, bon, mam, Je <laughs> bon, vais avoir ça dans la tête toute la journée. Hein? Est-ce que tu peux ah, me ton cadeau? ce que vous me donner un pas cadeau? Je vais obligé me dire si tu gêné ou tu peux l'ouvrir. Il n'y a, il y a pas l'air gêné. Ben, je suis absolument ça, pas gêné. Il y a une te... lettre aussi pour toi. Ben, cocarde ou... Euh... On ne sait pas c'est quoi. On peut t'aider. Oh my God, la gang, je pense que c'est genre un speaker Bluetooth. C'est pas vrai Bonjour, Matt, voici le happy. D'un côté, un anus, de l'autre, une bouche. Quoi de mieux pour te rendre happy? L'équipe Eros. <laughs> quoi de mieux pour te rendre happy? Ben, pas grand chose qu'un anus On ou une peut bouche. Mais ben, je vais vous le sortir un... Toutes les... Pour vrai, les trucs, Moi, pour je, suis quoi, gore, ça je suis pas, pas joué sexuel dans la vie. Je suis pas habitué ben, de manipuler ça. À tel ah, mais... à toi Oui, tu non, vas voir comme... ça, Du loup. Du loup. loup. Oh mon dieu, la... oh, il y a une <laughs> grande ventouse, la gang. Ça, c'est pas. Ah, il y a même un trépied! C'est un micro de podcast! Non! Non, mais la gang... On dirait Alien! Non, mais on dirait un micro de podcast. Genre c'est extraordinaire! Bonsoir! fait il est tout enrobé, là, mec. Mais mais t'es pas obligé de l'ouvrir au complet, là. J'ai tendre, moi ça tu veux Non, non, il tripe! Je me lance. Parfait. Je me lance. En... Fait que c'est ça. D'un bord c'est une bouche. Oui, mais est il est déjà un... comme graisseux tous compris que C'est-tu du usager? <laughs> on l'a donné à Félodré, puis on voulait Non, mais il est tellement <laughs> graisseux, là. Oh mon dieu. Et l'huile de compagnie, genre d'origine? C'est pour pouvoir s'insérer plus facilement. <laughs> c est, c est hilarant. Ça me c'est Il la rend. Ça, c'est censé être une bouche? Ça, c'est la bouche. À moins que ta bouche à une Ta nu, ça s'emballe une bouche. Ben tantôt, on a dit que c'était la même peau, hein. Il n'y a pas de dents. <rire> <rire> ok, d'un bord, bord, on a la bouche. Oui, on la présente. <laughs> Je t'aime, ma bébé. Parfait, comme ça, ici. Et de l'autre bord, on a l'anus. On a l'anus. C'est impeccable. C'est ça. ça ben, c'est ce, ce que c'est. Hein? C'est le dual entry. cest tu fait de la même texture des deux bords Oui, ça, comme, on, a la... dit au début, comme on vous avait dit au début de l'épisode. C'est pour ça que aiment non. ça, donner des, des petits bis sur les anus, tu te dit <rire> tantôt. <rire> Eh <laughs> hey, ben merci beaucoup la gang pour le beau cadeau. De rien. Écoute, ça nous fait plaisir. Je suis vraiment content. Mais... Tu peux te Mais partir oui. un podcast et faire c'est dans la même veiller. C'est quand non, même ça génial. C'est ton co-animateur. co-animateur, c'est Marcel. Je <laughs> ah. <laughs> <laughs> oh, <'as>... tellement, <laughs> <laughs> tellement bébé là, je tellement bébé là. Passe moi les délais, on va commencer. Tu peux, pas, tu peux pas genre me mettre un jouet sexuel dans les mains sans que ça vire en genre grosse crise <laughs> de joke enfantine. <laughs> Ah, il y a eu oui, non, je sais fois, ouais. C'est bon. Non, mais parfait. On va commencer. Y a-t-il une langue dans la bouche Parce que Ah, oui. oh, c'est ça. L'as-tu vu hey. c Parce que c'est écrit sur la boîte. Exquisite tongue. And tight and long. Jack. <laughs> il y, a une... <laughs> il y a une langue. Tout le n'est pas encore remis, mais genre, moi, j'ai pas fini encore de vivre mon moment avec ça. là. Oh, c'est ça. Okay. Yeah, on est sur un momentum. On va sur une date extra. Celle-là est quelque chose. Ok, mais là, c'est quoi le jeu? Je lis une date, les gens nous écrivent Le jeu Il y a des gens qui nous ont écrit leur date et ils savent, c'est une entente. Que vous allez lire. Non seulement qu'on va le lire, qu'on peut se moquer d'eux. Ah, j'adore, je suis bon pour ça. Sors-toi pas mal, tu vas pas, j'aurais aimé ça dire ça, mais je vais pas te mal. Ouais. Tout va bien. 100 On a déjà compté une date live et la personne s'est levée pendant la date. Elle était 100%. dans le public. C'est moi et c'est ma date. C'est ouais. un moment Non, mais moi, ce que j'allais dire, c'est que très tu sais, souvent, quand j'entends des affaires de même, tout ce que je vais dire, ça vient vraiment. C'est vrai, là. Tu comprends? Genre, je vais oui. te donner vos vraies réactions. Je ne pas essayer de faire des jokes. Je vais juste vraiment vous juger pour vrai. Oui, oui, c'est ça. Mais celle-là, c'est quelque pense chose. Que les gens nous écrivent pour ça. Comment s'intitule la date, mon amour? Elle s'intitule Tel un petit porcinet. Hmm. Est-ce que ça, c'est le titre que tu y as donné? Non, non, C'est l'auteur. C'est tout. tout ça, à part ça, c'est cinq. Date, très bien écrite. Oh, bravo. C'est exquis. Très bien, ça part. OK. Ça commence tranquille, mais trois petits points. À l'époque, j'avais 23 ans, en quête d'identité et de liberté. En pleine année sabbatique d'école, entre guillemets, mon quotidien se résume à une job plate, de l'alcool, du pote et des sorties pathétiques au bar en quête de contact humain. Ah, C'est ta vingtaine ben mais moi c'était pas pathétique c'était glorieux à chaque <laughs> fois t'es allé au Friends saint T'es le fort! je suis allé au Friends saint ça fait repère de moteur <laughs> um, mais je suis dégueulasse donc c'est difficile d'être attirant pour une demoiselle oh, oh non elle a pas eu facile dur. côté euh, c'est ça estime ouais, avec soi-même 2h15 AM. C'est un gars, une fille qui passe. c'est un 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 il, il y a un élément qui fait en sorte que ça peut Ouais, mon gros <laughs> pénis. <person. rire> je vrai, tape mon vrai. pénis sur le bar. 2h15 <laughs> du matin, trop horny pour être seul. je décide de sortir de mon salon pour aller au bar qui est à côté de chez moi. Le Friends. Friends. Mes options plutôt limitées vu mon état, je remarque une demoiselle seule au fond du bar. C'est. C'est écrit à nu? Mais je pense qu'il voulait dire amis, ses amis sur le dance floor. ses oui, anus, ses anus, c est c est anus, anus sur le dance plusieurs floor. Plusieurs anus sur le dance floor qui. <laughs> Mais c'est. Non. En <laughs> avait, elle en avait quatre à <laughs> l'entour d'elle. C'était oui. genre. Double case. il <laughs> y a des filles qui dansent avec des sacoches au centre ouais. et qui dansent avec des anus. Ses oh, <laughs> anus autour d'elle. Elle est ni jolie ni laide. Un doux mélange, un entre-deux, on <laughs> ça. Aime existe? Ça existe, hey, ça existe. Hey, neutre, ça existe. On peut pas, ça pas black, ça existe pas que ça existe. Elle a plutôt un, phys... un physique dont vous êtes le héros. C'est <laughs> une phrase que j'adore. C'est-à-dire que si tu caches sa face, tu peux penser qu'elle est belle, mais si tu... <laughs> Merci, c'est exactement ça. Okay. Oh là là. Merci de le dire à haute voix, oui, c'est ça. C'est ça que ça veut Pot dire. Aucune gêne. Je me suis dit, c'est là où jamais, je me lance. C'est un peu dit, jamais, hein? Ça fonctionne. Elle devait être dans le même état que moi pour accepter mon invitation, sans détour ni trompette. Et de m'accompagner chez moi afin de jouer au docteur. Ça, pas mal. Ça, je ne sais pas jouer au docteur. Je ne sais pas. Les ça. Tu as joué au docteur, Yab, c'était pas, pas ça. Non. Non. C'était pas ça du tout. Ou, ben peut-être Non, je sais ce qui s'en vient, puis c'était pas ça. Cœur sensible s'abstenir. Doum, doum, doum. Ah, on rentre compte. chez moi, on va dans ma chambre. Pas de base de lit, évidemment. <laughs> évidemment. Ça, j'adore ça. ça c'est oh, un homme de sa génération. Pas juste ça. C'est un gars qui aime le podcast. Oui, on s'adresse beaucoup aux gens qui ont pas de base de lice. Ouais. Mais il faut faire attention au black mold. <laughs> Les gros champignons. Ça oui. vous connaissez de ça? Oui, oui, ça oui. Ça peut te tuer. Oui. Mourir? Oui. Oui, oui. Comment? À long terme, si tu t'en rends pas compte, puis tu pourris dans ton, dans ton. Allez googler black mold. Puis <laughs> Appuyez sur stop et allez-y. Sauter sur l'occasion. Revenez, on va vous attendre. Il disait que le Brittany Murphy était morte de tout ça, là. Il y avait une rumeur de tout ça, là, elle et son conjoint, mais finalement, il y a un documentaire sur euh, Crave, d'ailleurs, très intéressant à son sujet. On va aller voir ça. OK, on va chez moi, dans la chambre ça, de ça. base de lit. <laughs> on se déshabille. Elle empoigne ma virilité d'une main plutôt avertie. Elle sait ce qu'elle veut. Son, J'acquiesce. Son, son, son C'est ça. J'acquiesce et me laisse faire. Au bout de cinq minutes, elle me demande si elle peut insérer un doigt dans mon anus. Est-ce qu'elle a amené les scie? <laughs> dans 16 anus. Tien, dans ses anus. Sans trop réfléchir, euh, j'accepte en me disant que puisque ma vie est déjà un désastre, autant bien en profiter pour expérimenter. Let's go. Un, deux doigts. Okay. Deux doigts, c'est plus raf. Sachant tout de même compter malgré mon état, au troisième, je les approuve. Trois, c'est quelque chose. C est, c est, c est. Ça y est, déjà eu trois doigts dans, dans le cul. Jamais non. As tu déjà inséré trois doigts dans le cul. Euh, genre. Oui, les tiens. Les tiens. Non, même pas. J'ai gros doigts. Juste un. Puis c'était déjà, c'était déjà. Un, c'est assez mon amour. C'est assez. C'est assez. Trois. Ou le pouce, tu sais. Le, ouais, ouais. le pouce. Je Le pouce. Comprends. Ok. Um, elle accepte et accélère la fellation. Au moment de jouir, elle retire brusquement ses doigts et la peur m'envahit. La pression dans mon bas ventre. Additionnée du retrait brutal de ses doigts, me font littéralement chier partout dans mon lit. Je jouis d'une force que je ne croyais pas possible, tout <laughs> en essayant de contracter mes fesses le plus possible. Ça veut dire qu'il ne peut plus revenir en arrière. C'est la seule manière qu'il peut... Ce qu'on qu est en train de vivre en ce moment, c'est qu'il se vit des deux barres là. <laughs> ouais, ouais, c'est ça qu'on vit. À quelqu'un qui ne connaît pas son prénom. <laughs> Va falloir réhydrater cet homme-là. Préalablement, il y a prochain. pas mis de bâche là. On est, <laughs> euh, on est directement à la laiterie. là. Oui. Puis on est au sol. Au sol. Ils oui. ont du black mold. <laughs> C'est pire que black mold. <laughs> black mold. La black mold, s'en va. comme neuf. C'est quand même bon. Un Ouais. Euh, Contacter mes fesses le plus possible pour cesser le flot continu des matières fécales qui Le Flot continu. Flot continu. Continue. Oui. À le, le, à oui. le, à le oui. déboucher quelque chose. Oui. Ouais. Génial. Je me retourne vers la demoiselle, couverte de merde et de honte. <laughs> Je la vois, elle. C'est comme un peu écrit en français normatif, puis là, la phrase, c'est Je me retourne vers la demoiselle couverte de marde. <laughs> 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 Et je la vois, elle, nue, épanouie, qui se roule dans mes draps, tel un petit porcinet dans, dans une mare debout. Voilà le titre Petit porcinet. Elle savait, elle le voulait, elle avait prévu <laughs> le coup. C'était incroyable. C'était prémédité. Prémerdité. Oh! C'est oh, bon, c'est bon. Excusez-moi. Excusez-moi. Non, 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 non. Tu l'as, tu l'as, tu l'as. Merci. Je suis sobre depuis 10 ans maintenant et j'ai. L'arrêté de moi! Il a dit là, je peux plus. <laughs> J'ai boire une goutte, Il une base de lit! Il a tout il y a pris, sa vie! Il a pris sa vie en main! Il y a changé ah! de programme! On t'a tout pour vrai! Non, non, oh, c'est plus le même, incroyable. là! Il s'est coupé, coupé les cheveux, c'est ah, sûr! Ah, oui. oh, j'aime ça! Il dit merci à vous de me permettre de sortir de ce traumatisme! ça, c'est quelqu'un quelqu qui a envoyé l'histoire de... spécialement, excusez-moi, j'ai fait un gros anglicisme, mais genre ouais. au, au podcast, là! Oui! C'est oui. un consommateur de votre podcast oui. qui a avoué ça en envoyant, oui. Oui. en sachant adresse, oui. connaissance de cause, adresse oui. courriel pour oui. le podcast. Écrit, oui. oui, Parfait. Bien, oui. à toi qui nous écoutes à tout moment, <laughs> écoute, c'est des choses qui arrivent. Oui, oui c'est des choses qui arrivent. Mais qui arrive que tu te vires puis que, à, à vivre sa best personnel life, ouais. c'est sûr que ça surprend, mais en même temps, tout arrive puis je suis content que tu te sois repris en main. Du je suis content plaisir que tu te sois repris en main, c'est ça, exactement. Oui. Mais imagine son closer. Ça fait 10 ans qu'il a vécu ça son closer, c'est de... Nous envoyer l'histoire. Puis là, peut-être que là, il peut. Il a bouclé la boucle. Oui. oui. La boucle est bouclée pour toi, cher auditeur. On est content d'avoir vécu ça avec toi. J'ai l'impression de. Très heureux. C'était bon. Moi, clair. je ne suis pas heureux présentement. Non, tu n'es pas heureux de non. ça. Je suis très, très, très déprimé. Tu n'es pas. Et euh... Je vais dire la personne qui <laughs> nous a écrit, c'est Luc Picard. C'est <laughs> son adresse perso The Real Luc Picard, <laughs> caramel.com. Oui, oui. Oh my god, c'est dans dommage. Fa... Mais là, est-ce que vous m'avez. Je peux-tu en les runes, Jean-Luc? Oui, -ce oui celle-là. Je peux-tu suivre celle-là? Oui. Ok, my god. Je ne vais pas avoir la réfonter, vous me l'aviez offert. Mais ben oui. ah oui, c'est oui. comme mon rêve que de le lire. Ah oui. Vous, vous la connaissez-tu déjà? Moi, je la connais. Non. Ouais. Pas toi, ok, parfait. Ok, on va le vivre ensemble. Parfait. Dans, dans nos... Ok, parfait. Une date un peu trop publique. <laughs> J'aime déjà ça, ok? Bonjour à Steph, Thomas et l'invité. C'est moi. Euh, ça s'est passé lorsque j'avais 20 ans, j'étais jeune, fringant, gay et narnia cru dans le placard. OK. Oh. OK, j'aime ça. OK, okay c'est bon, c'est bon. Il était narnia cru dans le placard, c'est ça, mère. caché bien OK dans le fond. OK, parfait. Binder Alors <laughs> Je commençais à découvrir les applications derrière, de dating. Là, 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 là. <laughs> tu le vois même pas quand tu ouvres la porte. <laughs> Parfait. Euh, je commence à découvrir les applications de dating pour hommes gay. Je me connecte un soir et ça clique avec un gars. Il m'invite chez lui. Je marche 15 minutes jusqu'à sa demeure, juste un peu après minuit. Il ouvre la porte et commence immédiatement à me frencher dans le cadre de porte. OK. OK. Oui, bon. OK. OK. okay. Cool. mais genre, euh, c'est pourquoi tu es là, là, dans le ouais, sens ouais. que tu, tu l'as rencontré. La non, c'est oui. ça, exactement, c'est ça. Parfait. <laughs> euh, dans le cadre de porte. Il a mauvaise haleine, mais je continue de l'embrasser. Il me dit qu'il est du type cochon. Piss-play, torture, crachage, fisting, BDSM. Tous des mots que je n'ai jamais prononcés dans un contexte public. <laughs> mais ça, je j pas ça. Toi, hein? <laughs> la grosse énumération, je vais la refaire. piss torture. <laughs> Julie, torture <rire> crachage, <rire> fisting et BDSM, ETC, etc. Je lui ai dit que c'est pas trop mon truc. Je suis content, j'ai envie que vous me faites vivre des affaires que je jamais vécues. Je trouve ça le fun <laughs> au bout. Je rentre dans son loft, il m'offre un verre. Okay, en plus, c'est un loft, il y avait juste une pièce, il n'a même pas attendu d'être dans cette pièce-là pour frencher dans le okay. corps de bord de Let's direct. Go. Parfait. Il m'offre un verre, je m'assois sur un fauteuil et il se couche nu dans son lit, son laptop sur les cuisses. Il me fait la conversation, mais son regard ne quitte jamais son écran. Étrange. Puis les choses s'enchaînent et je le rejoins dans le lit. C'est alors que je vois ma propre image dans son écran d'ordinateur. Oh. Je me vois nu avec lui. Je comprends donc que sa webcam est ouverte. <gasps> Oh non! Angoisse, Livestream, angoisse. Angoisse, <laughs> ça, <s 'en> <laughs> oui, ça Non, non, non. Patreon. Non, 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 non. <laughs> mais non, mais là, it's a no, là. It's a hey, no, là. là. Fais-moi signer un no? release, style avant, là. Ok, <laughs> je suis rendu nucu sur, 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 sur la page, là, sur la toile. Ok, parfait. <laughs> C'est-tu la toile Québec? <laughs> <On est rire> que je Je pense que oui. Je sais pas dans quelle année, mais je pense que oui. <laughs> Euh, « Je comprends donc que sa webcam est ouverte. C'est alors qu'il m'annonce qu'il est un camboy. Il me demande si c'est correct et je suis gêné de dire non. » Là, t'aurais dû, à ce mm -hmm. moment-là, mettre ouais. tes pantalons là, dans les deux sens du terme, là, genre ouais. assumer ta décision puis j'en t'aurais bien. « Nous continuons nos ébats et c'est alors que je réalise que nous sommes en train de faire l'amour live devant 610 personnes. » C'est beaucoup, wow. beaucoup de gens. C'est beaucoup de gens. « Je panique et je tente de ne pas montrer mon visage à la caméra. Je réalise que Comment les visionneurs sont... <laughs> » <laughs> juste quelqu'un, ça <laughs> C est c est trop comment... Je réalise que les visionnaires sont en train de nous demander de faire des choses kinky. Certains versent même de l'argent virtuel. Ma date me demande si je voudrais l'attacher et lui pisser dessus. Je hoche non de la tête ça, ça, car j'ignore... Arginior... Est... Ça, c'est très spécifique. Là. Ouais. Ouais, ouais. Je, je, je hoche non de la tête car j'ignore si le son est on. Il me dit que des gens viennent de donner de l'argent. Ben, oui, mais c'est parce que c'est pas tout là, dans la vie, là, donner 20 piast, euh... <laughs> Oui, mais c'est parce que c'est pas lui qui va toucher le 20 Mais oui. après, en plus. Enfin, lui, non, il rien. est genre euh, troisième rôle muet. Là. Il... Oui. Ah, je vais le mentionner attacher quelqu'un et pis pisser dessus je suis capable ben moi aussi je suis capable mais ben non mais tout le ben, monde une... est capable de ben, faire c'est pas une question d'être capable de le faire ben, ou pas ben, c'est une oui. question de se dire tu le fais-tu devant 110 personnes avec un inconnu mais non ben non Attends, ben non je non. serais -tu capable je dis ça je serais pas que je serais capable parce que je veux dire à l'urinoir, je l'ai difficulté moi j'ai moi je suis euh, euh, pichai oui. ah, oui, mais je suis complètement ça. pichai et je serais pas capable de non je serais pas capable <laughs> aucunement. Ah, puis je juste mentionné, il est dans le placard. Non mais des fois je suis complètement tout seul dans une salle de bain puis j'ai envie que je m'édite pour être capable de pisser Je serais pas ah, capable mais pas en tout. Ouais. Chier par contre, c'est pas vrai. <laughs> ok, fait que là il dit, <laughs> il y a des gens qui ont donné de l'argent puis qu'ils aimeraient nous voir fourrer plus intense. Je refuse à nouveau. Je me dis fuck dat, je, je m'efforce. À... c'est pas assez intense. Ouais c'est je, oui. je me dis fuck dat, je m'efforce de venir vite pour partir vite de chez lui. T'avais pas besoin de venir pour partir. Euh, je dis qu'il est tard et je quitte en vitesse son appartement. Arrivé chez moi, je me suis endormi en réalisant que je venais de perdre ma virginité devant plus de ah! 600 inconnus. Il bien pas oh, mal pour une première fois. Oh my god C'est incroyable. Bon, moi je l'applaudis. Ben c'est on espère que ça a été plus plaisant la deuxième fois, puis la troisième plus fois. Facile à battre. Mais ben, c'est je, je la webcam. Ça, je trouve ça triste pour lui. C'est ben, important une première fois. Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu imagine. Mais en même temps, faut pas non plus la hype trop parce non. que ça se peut que ça soit bien. Oui oui oui, exactement. Tu J'ai une date. Mais... Moi, me fait rire. On va voir si ça fait rire d'autres gens. Parfait. J'ai failli me faire un paper cut, mais ça n'arrêtait rien comparé à mon doigt. <laughs> fait, je pense que c'était. J'adore le titre. Faux Escape Room et Adam Sandler. OK. Faux comme genre la soupe. C'est un, un gars qui nous écrit. Ah ouais? C'est okay, parfait. Euh, d'être pas mal plus soft que la majorité de celles lues au podcast, d'un habitué, mais elle est quand même très désagréable, surtout pour l'autre personne impliquée. Mon match Tinder m'invite chez elle, en me spécifiant clairement que sa coloc ne sera pas là. Le plan est d'aller manger une soupe dans un petit resto vietnamien au coin de la rue et de, re de revenir à son appartement pour regarder en guillemets, un film sur Netflix ça ça me fait rire ça me fait penser à toutes les les mimes que tu vois puis c'est genre are you still watching someone's daughter plus genre tu vois genre un petit gros pieu qui rentre dans un trou personne parfait étant de la rive sud j'ai une anecdote de Netflix une fois je voulais faire ça un film Netflix mais c'est un prétexte pour faire l'amour et c'est à propos le film c'était à propos d'un d'un père de famille qui mourait son père il est mort ah non j'ai dû consoler une dame de autre matin. Ah, mais le choix de film est un peu élevé. Pour... <laughs> le choix de est... film est, est vraiment debout. très élevé. Moi, personnellement, si, si j'ai de quoi à dire, si mettons comme... Il faut, des... il faut que ça soit clair. <laughs> si c'est vraiment comme on écoute le film, oui. je m'en fais ma mission de je vais checker sur ma liste après que j'ai écouté ce film-là. Ouais. Fait que genre, pendant... On n'est pas censé se déranger. Oui, c'est le... ça. Ouais, oui. Moi, j'écoute, si tu parles, je pogne les nerfs. Je pense oui. que tu vas bien à entendre euh, l'auteur. Oui, oui, mon Question pour toi. Euh, je n'ai euh, euh, pas compris. Tu as été invité par une femme d'aller chez elle pour Netflix and Chill, c'est ça? C'est très simple. Je voulais okay. faire l'amour à une femme. J'ai lu okay. un film. Le film, c'était à propos de la mort d'un père de famille. Son père est mort. fait qu'elle a pleuré. Okay, 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 qu on, okay, ouais. vais... On a quand même fait l'amour? Ok, ok. Ah! Ouais. Mais tu l'as bien. C'était ça, ça ma, première, bien ma prochaine question. C'était comme, c'était comme genre de Smash, donc. <laughs> After. Ouais, c'est ça. Ah, oh, mon Dieu. Bon. Euh, ok parfait. Étant de la rive sud et ayant un cours à l'université ce jour-là, j'avais demandé à me rendre à Montréal. C'était parfait pour moi. Euh, je, me, je suis allé voir un film au Forum entre mon cours et la date et je décide d'aller chez elle en métro en laissant ma voiture dans le stationnement du Forum. Oh. Retenez tous les détails, ça sera l'examen. <laughs> Quelque temps avant que j'arrive chez elle, elle me texte pour me dire qu'elle a vraiment hâte que j'arrive et qu'elle venait de se masturber dans le bain. Oh. Je trouvais ce détail surprenant, étant donné que je pensais plus à la soupe tonkinoise qu'au sexe au moment de la lecture de ces textos. C'est que c'est drôle. Lui il était comme... poulet, comme j'ai envie de manger une bonne soupe. Ma ouais. bonne petite sauce brune dans ma cuillère. quest <laughs> ce que tu prends, madame? Genre cross toi mais genre d'amouillé euh, mes rouleaux impériaux. est-tu? Parfait. je pense qu'à soir, j'en ai mangé une bonne tonki. Je m'ennuie, oui, ça fait longtemps, une bonne faux. Ça, au faux Mon royal mon resto préféré, Je vais tout le temps. Genre, ah, c'est le resto où Je sais. Non mais je me j'ai déjà cette conversation là mais je, ouais, je dis je faux content, mais je, est pas grave. on est googler après. ça mm. là les vietnamiens euh c'est comment on le dit J'adore, cette phrase-là. Je la relis. Je trouvais ce détail surprenant, étant donné que je pensais plus à la soupe tonkinoise qu'au sexe au moment de la lecture de ces textos. Arrivée chez elle, elle était vêtue seulement de ses sous-vêtements et d'un grand t-shirt. On avait une réservation dans les prochaines minutes, alors je lui ai dit qu'il fallait se dépêcher un peu si on voulait arriver à l'heure au resto. Je restais pas encore habillée. Mais t'es bobette, on va manger, Esti. <laughs> non, mais je l'adore aussi. Ben, de toute choses. évidence, il est allé au, au forum écouter un film, mais il n'a pas pris de collation. Là. Non, c'est oui, ça, oui. exactement. Il n'a pas acheté M&M euh, genre overpriced. <laughs> OK. Pendant le resto, je lui ai dit que je n'avais jamais fait d'escape room il y en avait un tout près. Elle sent... Hey, mon Dieu, qu'il s'éloigne de, de la baise. Elle, <laughs> elle doit être dans la grosse angoisse. Là. Comme j'ai pas le goût de répondre à des énigmes. Là. <laughs> Yo, a le, le clip gros de même. Avait, non, 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 on va aller... <laughs> Oh, Dieu, bon faire une elle, la prochaine phrase du tout, elle semblait plutôt froide à l'idée, mais j'ai quand même réussi à la convaincre. Ah, Arrivé là-bas, on Comment nous dit... ça, si, ça, laisse pas le choix. C'est pas... plus, faci... plus facile convaincre quelqu'un de faire un escape room que de coucher avec toi. Ouais. <laughs> tout dépendamment des contextes, mais ouais. Arrivé là-bas, on nous dit qu'on doit payer ensemble et qu'elle se, porta... okay, se porta volontaire en précisant que je lui devrais 30 dollars, ah, ben... ce qui est tout à fait normal et justifié. Okay, parfait. Les bons comptes font les bons amis. Bien, assurément. <laughs> oh, oh. J'ai à la suite. Après l'escape room, on arrive chez elle pour regarder un film sur Netflix. Je lui dis que j'ai trouvé quelque chose, le tout dernier film de Noah Baumbach. Baumbach, je sais pas c'est ouais. qui un... Okay, parfait. un réalisateur et scénariste que j'affectionne beaucoup. Le film met en vedette Dustin Hoffman, Adam Driver, Ben Stiller, Emma Thompson et Adam Sandler. Le seul acteur <laughs> qu'elle connaît dans le film. <laughs> Pendant le visionnement, elle se colle sur moi, mais mon attention était plutôt portée sur le film. Je le comprends et je que je trouvais très bon. Après plusieurs de ces avances sans réponse de ma part, elle décide d'aller s'étendre sur l'autre divan et elle s'endort. Oh. Quand le film fut terminé, je suis allé la réveiller en lui disant que je devais partir chercher ma voiture pour pouvoir revenir sur la rive sud. Elle me dit que je pouvais appeler un Uber, mais j'étais trop gêné pour lui avouer que je n'avais jamais fait ça. Après plusieurs minutes, elle accepta d'aller me reconduire au Forum lors de cette nuit où la température devait être d'environ moins 30 degrés Celsius. Je n'ai jamais reparlé à cette fille et je me suis souvenu des mois plus tard que je lui devais encore le 30 que je lui dois encore à ce jour des années plus tard. Si elle se reconnaît, j'aimerais qu'elle écri qu écrive à couple ouvert pour que vous puissiez nous remettre en contact et je je puisse la rembourser. Écriez nous madame! Mais... J'ai une superbe soirée. C'est couple ouvert, c'est pas un coup de en parle. C'est drôle. Là. Non, non, on n'est pas ah, sur est mon cas de place. J'ai eu une superbe soirée <laughs> en sa compagnie, mais avec le recul, je me rends compte à quel point j'ai été le pire date pour elle. Je m'en excuse profondément. Oh. J'adore les gens qui avouent qu'ils sont pas bons. C'est mes préférés. Mais, oui. mais lui, il avait envie... Ben, c'est un cinéphile, assurément. Oui, et euh, <laughs> un foodies. Oui, euh, c'est un vrai foodies. <laughs> tu te dis, c'est un foodies, lui, c'est le laisser. Non, mais je le comprends, un je le comprends. T'es en mode, le film est bon, le et film est bon. J'irai deux autres dates pour toi, dont une que je suis sûr qui est extraordinaire. Je pense que, que je. Lis Steph. Vas-y, j'y vais. vais. Je vais le vivre. Parfait. Oh shit, ok. Ça s'appelle. C'est tout, tout un titre. Crème dépilatoire et rat. <laughs> J'aime déjà <les> tout. <laughs> Bonjour à Stéphanie Thomas, une invitée de la semaine. Bonsoir. Oui, tout d'abord, je précise que mon histoire s'est déroulée alors que j'étais au secondaire, Parce donc il y a maintenant que quelques okay. années. J'étais avec mes amis et nous avons croisé le chemin de garçons de notre école, mais ayant un an de plus que nous, pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui, nous avons décidé de leur demander en criant s'ils étaient Marcel Leboeuf. <laughs> quand même, quand même comique. <laughs> J'adore ça. Ça me parle. <laughs> je pense qu'elle a des choses. Il y a un sens du mot, le garçon dont il va être question dans cette histoire que nous allons appeler Marcel pour les besoins de la cause Marcel, a eu le Marcel. malheur. De répondre. On a beaucoup parlé de Marcel aujourd'hui. A eu le malheur de répondre, s'ensuit ensuite une discussion sur les colliers en bois de noisetier. Qu'est-ce que c'est bon <laughs> Quelques temps plus tard, je vois Marcel sur Facebook et décide de l'ajouter. Nous commençons à nous parler et il me semble plutôt sympathique. Nous décidons de nous rencontrer ailleurs qu'à l'école, soit dans un parc. Juste avant de partir pour la date, moi de 14 ans, extrêmement brillante, décide qu'il est temps de commencer à m'épuler les sourcils. Le temps, bonne idée, est bonne le temps. idée. Oui, mais genre 15 il minutes Oui, je vais, avant je vais oui. mettre ça. C'est sûr que si tu scrapes ta job, genre, ça paraît, là. Moi j'avais un mono sourcil quand j'étais petite. La première fois que je me faisais les sourcils, elle était longue. Ah ouais? Ça a été! Mais moi je suis un mono en tout temps. Faut tout le Une fois par semaine, clac, 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 faut j'enlève ça à pince. Ça me fait tellement éternuer, là. Voilà. OK. Seulement, ayant peur que ça fasse mal, je décide de le faire à la crème d'épilatoire. Je me retrouve. ça Mmh, ça, ça chauffe. Beaucoup, ça chauffe. Okay. Puis, je pense pas que c'est fait pour la face. Je pense c'est comme juste les jambes. Je le monde se la font le pinch. Du... Le monde se font genre la, la petite moustache avec ça, mais, mais genre bliche. il reste rouge marqué genre pendant ah, quatre jours. Pas ouais. mieux. Ça chauffe en tabernouche. Euh, parce que tu sais, pour te donner une idée, ça détruit le poil. Après ça, tu passes une débarbouillette puis les poils sont dans, Tu passes un genre de scraper là. C'est ça. Ouf. Fait que c'est tellement chimique que ça. Ouais, ouais. J'aime okay. ça. Je me retrouve ainsi pour ma date avec l'arcade sourcilière brûlée au sang. Malgré tout, je pense que la date s'est bien passée puisque nous avons continué de nous parler. Cependant, mon intérêt pour lui s'est mis à diminuer avec le temps, chose que j'ai oublié de mentionner, mais qui va être très importante pour le reste de l'histoire. Elle nous donne les clés pour plus tard, j'adore. Lui et sa famille sont protestants pratiquants. Ça va être à l'examen tout le monde regardait ça. pas à ça. Ouais. <laughs> J'ai hâte. Au son de la clochette, tournez la page, <laughs> Alors que mon intérêt pour lui était proche du néant, mon intérêt d'avoir des rats, lui, était grandissant. Je sais que ça semble absolument sorti de nulle part, mais vous allez comprendre, encore une fois. Clé pour la suite. Non, <laughs> non, je l'ai lu, on ne comprend pas plus. <laughs> lui, on... elle, ça elle fait juste ça. se rassurer elle-même, mais ouais, je comprends. Mais non, mais pas... Ma mère, ne voulant absolument pas que j'en aille, m'a dit que elle m'achèterait des rats si je retournais en date avec Marcel. Oui. Ça, c'est du chantage émotif weird. Euh, non, non? Euh, okay. c'est qu'elle pensait que, vu que. C'est sûr qu'elle allait pas retourner en deck avec Marcel. Ah. Oh. des tu retournes en avec le gars. C'est un mind game C'est-tu du ouais. chantage. Ou c'est une forme de prostitution. <laughs> je vais te payer en rose. En, ah écha hein. en échange d'animal. Ah ouais. Ben oui. C'est vrai. Ça, je je l'avais pas fait. La même. prostitution. Juvénile. Oui, il faudrait dénoncer cette femme. Mais oui. À coupe podcast. Oui, <rire> oui, <rire> oui. <rire> encore une fois, écrivez-nous, <laughs> s'il <vous> <laughs> OK. Malheureusement pour elle, j'étais apparemment prête à tout pour obtenir ce que je désirais. Ainsi, je suis retournée en date avec quelqu'un qui ne m'intéressait pas. Non seulement j'avais hâte de partir, mais il nous a fait faire une interminable promenade de vélo de 18 km pour ensuite nous faire rejoindre ses amis qui filmaient un film de zombies. Et que ça sonne projet d'anglais pas clair ça. Euh, je ne sais pas si ce film existe toujours mais il y a une scène de moi qui fait semblant de donner un coup de pied à un zombie pour m'enfuir. Bon salut. Ben ça c'était important. Ça. <rire> <rire> Après cet interlude, nous sommes retournés chez lui où à un certain moment sa famille et lui ont commencé à prendre des guitares et à chanter des chants religieux autour de moi. Tu aurais pu dire non, moi j'ai dit non. Mm, okay. Non. La propagande protestante, non? Sa mère m'a aussi dit que la prochaine fois que je revenais, ça serait moi qui laverais la vaisselle, alors ah. que je n'avais même pas mangé, là. <laughs> Mon Dieu, ça donne envie de en revenir. Ça a un petit oui. goût denvenez ça? J'ai eu mes rats. On ne sait pas pourquoi cette passion, mais elle a eu ses rats. Je n'ai jamais lavé la vaisselle chez Marcel, et j'ai malheureusement été la cause de son changement d'école quand j'ai commencé à m'intéresser à son ami, chose qu'il n'a absolument pas pris, puisqu'il l'a menacé avec un couteau. Fin. <laughs> Tabarnouche. Je sais, oui, oui. C'est comme beaucoup d'informations. C'est beaucoup, beaucoup à prendre Tout, ça, tout que... ça a parti avec Marcel Leboeuf. Oui, puis la glisse. Oh, me laissez qu'un couteau. C'est ça, c'est ça exactement. Mais c'est qu'il y a des longs paragraphes qui servent à rien. Oui. Puis à la fin, c'est... ouais C'est ça exactement. Mais le film de zombies, ça, au complet, l'intrigue, que... oui. le trois... Je 3... que mon rôle, c'était de donner un coup de paix. <laughs> C'est vraiment drôle. Non, mais j'aime ça. C'est tellement mon genre de compter une histoire, mais de mettre l'emphase aux mauvaises places. C'est vraiment Il mon genre. la dernière date? À la, à la, deux secondes. À la personne qui écrit cette histoire-là, j'ai l'impression qu'on s'entendrait bien. Convaincue. Oui. Ouais. Écris-moi ma... Écris sur Instagram en DM si jamais t'es game Mars. Ah oh, non, je vais pas le dire parce que là, tout le monde va faire ça. Mais oui, Parfait, je, je suis Qui l'a, la fait, Marcel Lebeuf? Oui, c'est ça. <laughs> bon. Cette date-là, qui veut l'aller? La date finale. Je l'aime beaucoup. J'y vais? Tu y vas? Y vais. Okay. Je vais. Je l'aime beaucoup, cette date-là. Ou est épaisse, il y a beaucoup de papiers. D'accord. Une date avec un Je te l'avais pas dit. Oh. OK. Salut, couple ouvert. Bonsoir. Bonsoir. <laughs> dans ma vingtaine, je me donnais sur les One Night. Comme beaucoup de gays de cette tranche d'âge, faut dire, je suis vraiment le porte-parole des gays, je prends toutes les histoires ça, gays, j'adore. <laughs> quelques messages sur Grinder ou sur un badou quelconque, on s'échange des photos, on fait quelques minutes de cam et hop, j'ai une adresse et il y a des bonnes chances que lorsque j'arrive, la porte soit déverrouillée ou qu'on m'attende le cul dans les airs. Incroyable. Mon Dieu, quel accueil. <laughs> Je fais ça quand il y a des, mes amis viennent souper chez nous. Ils font toujours le <rire> saut. <rire> Avec une flûte de champagne poignée dans mon fion. Parfait. Alors, lui, c'était une date plus traditionnelle, entre guillemets. On s'est rencontrés sur un app quand même, mais on a jasé longtemps, sérieusement, des conversations sérieuses sur nous, et on s'est pas échangé de dick pic. On a un peu parlé de sexe, mais rien de super explicite, juste assez pour garder un peu d'intérêt, mettons. C'est une date assez de base. On se rejoint au cinéma, on jase un peu, et on se mange le cul devant la machine à popcorn. C'est pas vrai, c'est moi qui ai inventé ça. <laughs> <laughs> on se rejoint au cinéma, on jase un peu, on regarde le film et si ça se file, on verra bien. Mm -hmm. Il est pas laid, pareil comme sur ses photos, c'est déjà incroyable, mettons que même avant l'arrivée des filtres Instagram et autres, c'est assez rare que c'était fidèle. Il était un peu rond, c'était super charmant, faut dire que ma vingtaine avançait et je suppose que le fantasme du daddy commençait à kicker in. Wow. Ma stratégie a toujours été de prendre le film qui est à l'affiche depuis quand même longtemps ou qui est pas super ou qui est pas super populaire, toujours pratique de pas être trop dans la salle pour soit jaser et sur ce qui se passe ou possiblement avoir de la sexualité dans le noir. Oh. Puis écrit avoir de la sexualité oh non encore ça pourquoi oh, encore C'est parce que l'autre jour il y a quelqu'un qui a mis ça dans une date puis là personne autour de la table on savait que c'était une joke de la soirée est encore jeune Puis on a juste fait comme oh, pourquoi t'appelles la sexualité la sexuelle bon, oh, c'était dire... une joke la soirée est encore jeune savais oh, pas, je pas. on a juste fait comme on est complètement point culte c'est ça <laughs> c'est super bizarre alors, ou possiblement avoir de la sexualité dans le noir. Bref, dans ce cas-là, ça se filait et on a commencé à se caresser dans la salle. Ma main sur sa cuisse, ça monte, ça rentre dans les jeans. Et il me fait la même chose. Oh. À la fin du film, comme ça a assez bien été jusque-là, je l'invite chez moi. Ça, Ça, on s'en va au escape game. <laughs> oh mon dieu, on s'en va manger une faux avec euh, l'autre. <laughs> ok. Chez moi, on ajoute quelques bières à la soirée et clairement, on s'en va dans ma chambre. Ça se french en masse, ça se caresse, ça se passe bien. Il enlève mon chandail, j'enlève le sien. J'ai un time sur son, j'ai un time sur son dad bod. et vient le temps de retourner à ce qu'on avait exploré au cinéma. J'ai un time. Je pense que j'ai euh, un, un time. Il capote. Est genre, Il... Wow, ok, ouais. Je fixe là dessus. Okay, c'est ça, exactement. Parfait, parfait, super. Moi, puis le langage euh, sexu. J'ai un time <laughs> sur son dad bod. et vient le temps de retourner à ce qu'on avait exploré au cinéma. Je me lève et j'enlève mes jeans et mes boxers. Je me mets à genoux devant lui qui est assis sur le bord du lit. Je prends ses jeans, je les détache, je les tire jusqu'aux genoux. Je remonte à ses boxeurs, je les descends assis jusqu'aux genoux et là, j'essaie de tout enlever. J'essaie de tout enlever ça pour passer à l'étape plus horizontale de notre soirée. Mm -hmm. J'ai beau forcer, j'arrive pas à faire passer les jeans et les boxeurs plus bas que les genoux. C'est ben jamais. Ah des gros mollets. Des gros mollets, ça cycliste. Ben oui. Il me dit "Attends, c'est pogné dans mes jambes." Ce à quoi <laughs> je réponds sur un ton du genre "I've been around, dude." "Ah, je vois bien que c'est pris dans tes jambes." OK, OK, super. Peut-être que je suis vraiment mauvais dans les act out là, mais non, je... Je sais. OK, parfait. Comme il voit que je comprends pas ce que je veux dire, comme je vois que je comprends pas ce que je veux dire, il essaie de m'expliquer. "Non non, ce que je veux dire, c'est que mes jeans et mes boxers sont pognés dans mes jambes." Puis, moi qui a trop de bière dans le corps pour être patient, puis quand je suis bandé, j'ai pas tant envie de me faire expliquer comment enlever une paire de, de pants, j'y fais une phase une de marde en voulant dire Ah ouais, là. Comme il voit que je comprends pas ce qu'il veut dire, il prend deux secondes pour tout m'expliquer. Ben mes jambes sont pas toutes, toutes là, mettons. Il descend ses jeans un peu plus pour me montrer ses prothèses. Je savais ah! que le prochain mot c'était prothèse. Je savais que le prochains mots c'était prothèse. <laughs> c'était quand même quoi que ce soit sur la page suivante. Exactement, le reveal de prothèse. <rire> 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 Fait, je suis tout nu, bandé, un peu décontenancé, à genoux devant un gars qui me montre ses prothèses, qui commence à peu près deux pouces en dessous de ses genoux. Ben oui. et Il me dit ah, je te l'avais pas dit qu'il me manquait des bouts j'étais sûr pourtant. Dans oh. ma tête, tout ce que, que j'ai envie de dire, c'est voyons ta Barnac, si tu m'avais dit que tu avais pas de jambes, je pense que je m'en serais souvenu. J'en rencontre pas trois par soir quand. On est mais je comme je, su... que tout ce que j'ai. Écoutez, ben le premier, le prochain, la prochaine phrase est bonne. Mais comme je suis en état, choqué, bandé, tout ce qui sort de ma bouche, c'est ben, 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 ben veux-tu les enlever <laughs> C'est qu'il fit. Wow! Il se retrouve à quatre pattes. Je commence à m'exécuter dans le noir avec les draps défaits du début de notre soirée. Quand je regarde vers ses genoux, j'ai juste l'impression que ses jambes sont sous les draps, pas fucking absentes. Il me demande de le prendre sur le dos à la place parce qu'il préfère ça et parce qu'il veut me regarder. Il se tourne et je recommence ce que je faisais. Et après trois, quatre minutes, il lève les jambes pour les mettre sur mes épaules. En temps normal, je trouve ça vraiment cool comme position, sauf que là, je me retrouve à baiser un daddy overweight avec deux calices de moignon qui balotent comme oh! chaque côté de ma... Quoi? Quoi? Je finis ça dans un temps record parce que je ne suis plus capable de me concentrer sur autre chose que sur les demi-jambes qui me frôlent la face. Ça n'a pas de bon sens que je lis ça en ce moment. Un coup que j'ai fini et que le temps est venu pour lui de s'en aller, on voit bien que dans le brouhaha de tout ça, les prothèses se sont ramassées un peu loin du lit. Non. fait que pas très longtemps après être venu, je me retrouve debout, tout nu, avec deux jambes dans les mains pour lui rapporter et qu'il puisse se lever du lit pour se réhabiller et s'en aller. On s'est jamais revu. J'ai une paupière anecdote quand on parle de date avec des amis, puis j'ai un fou rire à chaque fois que je vois une pub des amputés de guerre à la télé. C'est au moins ça. Oh non Oh non Oh. Je suis comme déchirant en pleine émotion. Je la situation sais. est fucking cocasse, c'est fucking surprenant. Après ça, les gens qui n'ont pas de jambes datent qu'il y ait des belles vies sexuelles. Si j'adore ça, c'est normal. Mais ça se, mais mais ça, ça, ça se dit. C'est ça ça, ça, ça se dit avec un petit peu. Mais je la sais. phrase de genre, ben t'as barne si tu me l'avais dit, t'avais pas de jambes. sûrement je m'en rappellerai. Ça m'arrive pas <laughs> trois fois par soir. <laughs> c'est quand même. Tout de on ça. peut pas y en vouloir. C'est ça là. Mais c'est une vraie anecdote ou genre, c'est quelqu'un qui, vraiment quelqu'un qui vous envoyait ça Tout le monde. C'est toutes des gens qui nous envoient ça. Nous, on des fois, il y a des gens qui sont comme. Tu veux nous écrire Couple ouvert. Podcast, Puis on en a beaucoup, là. On oh vit oui. pas, pas à la ah, demande. Ah, mais c'est <laughs> vraiment fucking pour La personne qui écrit ça écrit bien. Tu devrais ben être oui. euh, Je sais peut-être qu'il fait déjà ça dans la vie. Oui. Mais c'est vraiment le fun d'aller J'étais sur le bout de mes jambes. Ben oui! <laughs> tout le long. <laughs> oh, Mathieu, c'est la fin. C'est déjà la fin. C'est déjà la vrai. fin. Ça me fait tout le temps ce feeling-là. On dirait que ça passe vite. Genre, c'était vraiment full le fun. bon, finalement. What about time? Non, mais pour vrai, c'était vraiment le fun. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis content d'être venu vous aujourd'hui C'était full nice. Merci tellement. On veut te suivre sur les réseaux sociaux, bien entendu, on peut. Oui. Tu es partout. Instagram, Facebook, même Tinder. Je suis banni, Estie. Tinder, c'est ça. Comment s'appelle déjà ton nom? Raya. Alors, bonne chance à ceux qui veulent joindre Raya. On vous souhaite d'être équipés. Ça a l'air d'être une secte. Ça ressemble au réel. Non. Juste parce que ça sonne pareil, Raya, Rael. Ça, ça commence toujours de, de même. Puis <laughs> Ça commence toujours par un mot qui ressemble. Ouais. Okay. Exactement, après ça, tu finis. Mais pour vrai, non, c'était vraiment cool. Merci beaucoup. Merci. Puis euh, les shows recommencent. C'est reparti. Les shows commencent. Les shows commencent cet été. Je fais mes deux shows qui ont été, ben un reporté, un cédulé à la bonne date. Là. Mais euh, en juin, je fais Wilfred Pelletier. Ouais. En juillet, je fais Le Sandbell. Yes. Puis euh, voilà. C'est très excitant. C'est même excitant. On excitan. commence à travailler tout ça. C'est bien cool. Yeah. Cool. Merci. Merci. Ciao.